She like me, she might be what I need. She get spicy, wanna taste this, come bite me, yeah. I'm icy, way too icy. I get paper, on big screen, I'm Spike Lee. I'm vibey, just vibey. Too wavy, I can tell they wanna get like me, yeah. I'm vibey, just vibey. Too wavy, come and get like me. I'm never living a bit in a timid straight shooter. I'm dumping the clip that I'm dipping. Hitting the mark with the weightiest art. I rage with my heart and it's right with my wrists. Cut up the pay with the real ones. I see a few million. We want it, we need it, let's get it. Long live the niggas that get it. They live how they say in a sentence. We really the trillest. Please don't pretend with that love that you sending is fuck. If you like me, I call me the Bennett. Somebody tell God forgive me, I'm sinning. I think that she know, but he got me, I'm winning. Cloud is a dangerous drug and your phone is the plug. Everybody on that shit pretending. So many lost and they chasing what's trending. Well, yeah, let's forget it. I'm back to my sis. I'm only helping a man in the mirror. From here on, I'm open, I'm focused. Okay, I lied, if you riding, I'm riding. I put on the bugs and trust in me. Get with it, come fuck with me. I don't, but it's love, you stuck with me. I'm coming and cuss for me. Get with it, they get lost, ain't nobody touching me, yeah. She like me, she might be what I need. She get spicy, wanna taste this, come bite me, yeah. I'm icy, way too icy. I get paper, on big screen, I'm Spike Lee. Fuck if you like me, I call me the Bennett. Somebody tell God forgive me. She like me, she might be what I need. She get spicy, wanna taste this, come bite me, yeah. I'm icy, way too icy. I get paper, on big screen, I'm Spike Lee. I'm vibey, just vibey. Too wavy, I can tell they wanna get like me, yeah. I'm vibey, just vibey. Too wavy, come and get like me. I'm never living a bit in a timid straight shooter. I'm dumping the clip that I'm dipping. Hitting the mark with the weightiest art. I rage with my heart and it's right with my wrists. Cut up the pay with the real ones. I see a few million. We want it, we need it, let's get it. Long live the niggas that get it. They live how they say it. A sentence, we really the trillest. Please don't pretend with that love that you sending is fuck. If you like me, I call me the Bennett. Somebody tell God forgive me, I'm sinning. I think that she know, but he got me, I'm winning. Cloud is a dangerous drug and your phone is the plug. Everybody on that shit pretending. So many lost and they chasing what's trending. Well, yeah, let's forget it. I'm back to my sis. I'm only helping a man in the mirror. From here on, I'm open, I'm focused. Okay, I lied, if you riding, I'm riding. I put on the bugs and trust in me. Get with it, come fuck with me. I don't, but it's love, you stuck with me. I'm coming and cuss for me. Get with it, they get lost, ain't nobody touching me, yeah. She like me, she might be what I need. She get spicy, wanna taste this, come bite me, yeah. I'm icy, way too icy. I get paper, on big screen, I'm Spike Lee. I'm vibey, just vibey. Too wavy, and she and they won't get like me, yeah. I'm vibey, just vibey. Too wavy, come and get like me. She like me, she might be what I need. Too icy, way too icy. I get paid, my big screen, I'm Spike Lee. I'm vibey, just vibey. Too wavy, I can tell they wanna get like me, yeah. I'm vibey, just vibey. Too wavy, come and get like me. Before you tell me that I take a minute to consider, a lot has changed me. Bonjour à toutes les amis, très heureux de vous retrouver. Je ne sais pas quel jour nous sommes, j'ai une vague idée. T'as-t-on paralité de l'heure, quelle heure il est, 9h36, mon ordinateur dit qu'on est le 15 juillet, le lendemain du 14, donc nous sommes peut-être le lundi, mais je ne suis pas sûr. Ça va, vous? Quelle nuit, Monsieur Favre, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Bonjour, futur seigneur d'Eldon, j'aime. Nasuko, merci pour le soutien. Maud Guillaume, merci pour le 14e mois. Louvas, merci pour le Prime. Akami, merci beaucoup. Quelle nuit. Hier soir, je décide, avec l'autorisation de mon amoureuse, de lancer à 18h un live, Elden Ring, en me disant, je vais terminer tôt, 22h, 22h30 max, parce que je vais me lever tôt pour la revue de presse, parce que avec ce qui s'est passé autour de Trump, eh bien, une petite nuit s'imposait pour pouvoir être frais et dispo. Voilà.
Sauf que la partie se passe bien, on kilote des petits boss à droite à gauche, tout va bien, parfois avec beaucoup de... Un certain talent, je dirais. Ouais, enfin ça se passait plutôt bien quoi. Et puis à un moment, on décide de faire route vers la grosse bosse là. Celle qui est censée me tailler en pièces là, comment elle s'appelle ? Je sais plus où là. Vous allez me rappeler là ? Comment elle s'appelait cette grosse bosse là ? Vous allez me le rappeler. Margit. Et en chemin, quelqu'un me dit innocemment, je le retiens celui-là. Celui-là ou celle-là. Et tiens ! Et sur la route de Margit, si on allait se taper le... Tu sais, la sentinelle, là, le cavalier, là, sur son cheval qui t'a fait tellement une misère au début du jeu. Je dis, bah ouais, let's go. Let's go maintenant qu'on est un petit peu à l'aise avec le jeu, quoi, que ça fait des esquives, que ça fait des roulades, etc. Qu'on a une épée qui envoie du bois. On va aller se taper la sentinelle, là. 5 heures. 5 heures pour taper la sentinelle. Ah, merci beaucoup, on a le clip. Quelqu'un m'a mis le clip. Merci, Sugar, on va voir le clip. Je l'ai. 5 heures de live. 5 heures juste pour taper la sentinelle. Je ne sais pas combien de fois. Voilà. Et au total, un live de 11 heures. 11 heures, 18 heures, 5 heures du matin. Elden Ring, 18 heures, 5 heures du matin. À 4 minutes près, 11 heures de live, dont 5 heures sur la sentinelle. Là. Voilà. Avec l'immense partie du chat qui croyait qu'il disait il est gentil, mais il est con, il est un peu têtu. On sait tous qu'il ne va jamais s'arrêter avant de l'avoir tué. Et puis certains qui ne connaissent pas l'atmosphère ici, qui disent mais arrête, enfin, mais tu vois bien que tu n'y arriveras pas. Tu es trop vieux. Tu es le Joe Biden d'Elden Ring. Tu es le Biden d'Elden Ring. Voilà. Et vous savez que moi, non, dans ma tête, ça ne marche pas comme ça. L'important, c'est pas tellement le skill, c'est l'intensité. Voilà. Et puis en plus, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas trop, un viewer dont j'ai oublié le nom, mais je l'ai noté quelque part, quelqu'un qui passait par là et qui se moque un peu, qui dit à un moment, je parie que dans 15 jours... Dans 2 semaines, t'y es encore. Bobby News, exactement. Ouais. Dans 15 jours, t'y es encore. Et puis moi, vous connaissez, je dis Bobby News. Binouz. Ouais, pas mal, en vrai. Bobby, 1000 balles. 1000 balles. 1000 balles, je le fais avant 15 jours. Hein, si t'as pas que de la gueule, 1000 balles. Et le Bobby News qui dit bah ouais. Et il était chaud. Hein. À mon avis, Bobby News. La binouze n'était pas que dans le pseudo, quoi. Il était chaud. C'était le soir. Il était peut-être avec des copains. Et Bobby, il dit balance ton IBAN. Merci, monsieur Fives. Merci, Nzar75. Merci, Cébrenal. Merci, Pierre-Louis. Merci, Cabier. IBAN. Alors là. Et donc, ça, plus le côté un petit peu, vous savez, je n'aime pas échouer dans des trucs. Et bon, on a mis 5 heures. Voilà. Et Bobby, on l'attend, Bobby. Hein. Bah, Bobby, je vais lui envoyer un petit message, Bobby. Hein. Bon, mon pari, mon call, c'est que Bobby, on va pas le revoir dans le chat avant un petit moment, quoi. Voilà. Donc, 11 heures de live. Et en sortant du live, je me dis, bon, bah, Sam, il est 5 heures du mat. Tant pis pour la revue de presse. On va pas faire de revue de presse. Hein. Et puis, je me sentais bien parce qu'en fait, la sentinelle, elle m'avait bien réveillé, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, je me suis fait un petit café. J'ai mangé parce que j'avais pas dîné. À 5 heures du mat. Et puis j'ai commencé à lire. Voilà. Le Parisien. Voilà. Libération. Le Figaro. La Croix. Le Figaro encore. L'Équipe, je crois. L'Équipe, puis plein d'autres. Et puis Le Monde, et puis L'Opinion, et puis L'Humanité. Et puis La Croix, voilà, parce que je vous mets pas tout, je fais une sélection. Voilà, et puis, en dînant, en petit déjeunant, enfin 5 heures du matin, on était entre les deux, là, avec des petits cafés, et puis voilà, on y est. La nuit blanche, voilà, parce que je ne voyais pas comment ne pas vous proposer une revue de presse ce matin.
sur Tom, quoi. Hein, voilà. Allez, on se regarde très gentiment. Il y a un modo qui m'a envoyé. Merci des modos qui m'a envoyé. Pof. Le petit extrait de la victoire contre la Sentinelle. Ça va être quelque chose, ça. C'est madame qui doit être contente. Madame, non, ça va, Eric. Elle m'a dit tu t'es couché tard, un petit peu quand même. Je n'ai pas vraiment avoué la nuit blanche, quoi. Un petit peu quand même. Mais voilà. Mais monsieur, je vais être là aujourd'hui. Hein. Je serai bien là. Ça a piqué. Merci de Melmonk pour le Prime. Merci Guiwi pour le 21e mois. Merci Alinéa. À pied la sentinelle. Hein. Sans les sorts, sans les invocations, sans les loups. Avec des armes qui sont pas au top, quoi. Je ne sais pas combien de fois je l'ai tenté. C'est parti. Ah, j'ai pas de son là. Pourquoi j'ai pas de son? Lui là. Pas de son? Non. Vous avez du son, vous? Vous avez du son, vous? Avec une manette qui... Ah oui, il faudra qu'on parle de la manette qui... Vous avez du son, vous? Ah ouais, vous avez pas de son. C'est quoi ce clip? Bien. Ah bah zut, alors non, je le passe pas si j'ai pas de son. Hein? Bon, ça se fait. Est-ce que c'est... Attendez, on va voir si c'est... Question? Ah oui, non, c'est le clip. C'est le clip, parce que moi j'ai du son sur ma table de mixage, là. Bizarre. Oh, je le retourne différemment. Je crois qu'il n'y a pas de son sur ce clip. Attends. Ah, ça y est. C'était juste une histoire de fenêtre. Ok. Vous êtes prêts? C'est parti. Je sens les t-shirts, vous avez vu? J'ai pris une douche ce matin. Je sentais pas bon. Ah, et des esquives. Et en fait, à la fin, je travaillais qu'au corps à corps. J'en pouvais plus. Je me mettais à le cul du cheval. Roulade. Hop, corps à corps, bam. Roulade. Corps à corps, boum. Roulade. Corps à corps, boum. Roulade. Corps à corps, boum, bam. Et là, regardez, il reste quoi? 20, même pas, 15% de vie. 15%, là il me bloque sur les rochers, c'est chaud. Roulade, je suis coincé contre les rochers. Je sors, paf, dans le cul, paf, 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 paf. Et là, c'est bon. Parce qu'en fait, il fallait absolument compenser le fait que j'étais à pied, que j'avais pas d'invocation, que mon épée était pas à son max. Voilà, et en fait. Et donc voilà, j'ai cherché pendant 5 heures la stratégie, quoi, la strat, quoi. 5 heures, 11 heures de live. Voilà. Pas le meilleur, mais un des plus têtus. Ça, c'est moi, ça. Merci, Mélissa, pour les beats. Toi aussi, t'as fait une nuit blanche? Waouh, pour un festival, t'as bossé ailleurs, c'est dur, ça. Hein. Salut, Nario. Encore merci, Melmonx. Voilà. Pas le meilleur, mais un des plus têtus. Ça, sur ma tombe, en épitaphe, je veux bien ça, si vous voulez. Samuel Etienne, pas le meilleur, mais un des plus têtus. Voilà, c'était super, on a vu que ça ensemble. Plus une souris, je sais pas, qu'à chauffer, qui est une manette Xbox, mais qui n'est pas une manette Xbox officielle, Microsoft et tout ça. Voilà, et donc et la moitié du live, on déconnectait, on reconnectait, on cherchait des solutions sur Internet et tout. Avec le chat était d'une patience. Il y avait 4000 personnes qui me regardaient régler ma manette. Quel enfer. Voilà. Merci à Ebco pour le 6e mois. Donc on est bien là, on sort de 11 heures de live. J'ai pas dormi, j'ai lu les journaux et j'ai bien fait parce qu'il y a des choses intéressantes et on part pour 4 heures. Hein, ça nous fera 11, je sais plus, je compte plus, 11, ça nous fera 15 heures de live. Voilà. Hein. Je sais pas si je vais streamer ce soir par exemple. Non, je sais pas. Change de manette aujourd'hui. Ouais, c'est pas impossible. Ouais. Ah, voilà. Bon, vous, ça va, vous? Vous? Bon, du coup, j'ai mis mes lunettes hein, parce que j'ai les yeux qui piquent. Hein. Ouais, Turbo Dragon, chapeau pour la sentinelle, je dois avouer que je n'y croyais plus. Alors, c'est ça en fait, moi c'est ma force. Pas plus malin, mais têtu, tellement têtu quoi. Ouais. Salut Nobano Flamme, bon courage pour le boulot. Merci Odin,
Avis journalistique et personnel sur l'hebdo Franc-Tireur. J'ai honte, Audin, parce que j'ai entendu parler. Je ne connais pas Franc-Tireur. Je crois que je ne l'ai jamais lu. Il y a trop de choses à lire. Je suis désolé. Il faudrait que je me penche sur, sur cette publication. Audin, je ne peux pas répondre à ta question, mais my bad. Je devrais savoir. Comme moi, je suis plutôt sur les quotidiens. Je vois des modos d'hier soir encore opérationnels ce matin. Les modos, vous êtes. Mais c'est pas possible. Vous êtes fous. Anonyme 31, Clamacoquine, Étienne LB, Julo 18, Moulbit, Nightbot, Sugar Broubou 06, Sugar Molly. Ah, les Sugar, ils sont là. Ah, vous êtes fous. Voilà. Donc, du coup, les petites lunettes ce matin. Ouais. Merci, Pedro Ledozo. Pas le plus malin, mais un des plus têtus. On a bien ri. Et pardon pour l'histoire de manette là, qui nous a tellement embêtés. Erwan, ça va super, j'ai envie d'initier mon père au format du matin, mais je ne sais pas comment il va le prendre. Si, ça. Après, il faut lui expliquer que c'est super bavard, quoi, qu'on fait des pas de côté sans arrêt, qu'on fait beaucoup de digressions. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Il ne faut pas que ce soit surpris, c'est très très bavard. Quoi. Bon, ma belle-maman qui vient de me saluer, là, Marie, la maman de mon amoureuse, qui est d'une autre génération, hein, je veux dire qu'elle est pas sur Twitch, tout ça. Quoi. Mais voilà. Et en fait, elle m'a expliqué que la soirée du deuxième tour des législatives, elle en avait marre de ce qu'elle voyait à la télé, les politiques qui s'interrompaient en plateau sans arrêt, qui se coupaient la parole, on ne comprenait rien. Elle est venue sur la chaîne Twitch pour notre petite soirée législative et elle m'a dit « j'ai tout compris ». Ah bah ça me fait bien plaisir. Voilà. J'ai fini à 5h, gradient descente. J'ai fini à 5h la sentinelle, 5h du mat. J'ai pas dormi. Donc ça m'a fait très plaisir quoi. Ouais. Je vous lis un petit peu, c'est mon petit bonheur. C'est ce qui fait que je suis ici. Et puis on lance cette revue de presse. Merci, Don War. Sur PC, ma manette tourne dans le jeu. Tu as fait comment? Non, mais c'est la manette qui n'est pas bonne, en fait, je pense. C'est une compatible, c'est une adaptable. C'est pas une Xbox officielle. Je pense que ça joue aussi. Ça joue. Voilà, parce que je pense que le PC, c'est pas le PC. Le PC, il fonctionne bien. Ouais. Pourquoi sans fil? Pourquoi c'est mieux sans fil? Poulidor me dit, tu devrais acheter une manette Xbox officielle sans fil, ça change la vie. Bon, ma souris, d'ailleurs, ma souris au quotidien, c'est une Logitech sans fil. Mais pourquoi c'est mieux une sans fil? Moi, j'ai toujours pensé qu'une filaire, c'était plus fiable. Parce qu'une sans fil, ça veut dire que tu as quand même un port USB qui est pris par le connecteur de ta manette, quoi. Ah, c'est juste plus pratique. Oui, mais c'est pas plus fiable, parce que moi, c'est la fiabilité qui m'intéresse. Hein, quand tu streams, ce que tu cherches, c'est des solutions extrêmement fiables pour pas faire chier tes viewers, quoi. Hein, filaire plus réactif, plus fiable, ouais, on est d'accord. Ouais, latence réduite, bah, surtout à mon niveau de jeu, quoi. Ah, le fil peut foirer, ouais. Ouais. Pour un live de 11h, il y a le problème de la batterie et des piles aussi, quand même. Ouais. Et cette hallebarde que tu as loot, elle est utile? Bah écoute, GZ, la hallebarde, on l'a chopée, mais je t'avoue, je ne l'ai pas encore, je ne suis pas allé la voir, hein, parce que j'ai cut le stream. Hein. Merci Sugar Helio. C'est gentil. J'ai eu plein de messages trop sympas. Hier. Ouais. Je vous mets aussi le... Il y a Mathieu qui s'est décarcassé. Pour un huitième... Best of Hebdo, c'est le huitième best of de cette chaîne, ouais, sur YouTube. Hop, je vous l'épingle, parce que vraiment c'est du bon boulot. Touk, est-ce que je l'ai raté là? Je l'ai réussi? Non, il y a trop de messages. Hop, je l'épingle. Voilà, super, super taf. C'est super sympa les best of que fait Mathieu. Ouais, là, il est en vacances, je crois. Ouais. Regrettes-tu d'avoir été entraîné dans le fléau qu'Elden Ring? Putain, mais non, c'est incroyable. Attends, ce jeu est tellement addictif. J'adore Valo, mais je pense pas que j'aurais pu jouer 11 heures à Valo, en fait. Hein, y a ce côté, commencer un boss et en fait ne pas pouvoir cut la partie tant que tu l'as pas tapé, quoi. Tant que tu l'as pas coupé la tête, quoi. C'est fou, non? Ce jeu est incroyable. C'est waouh. Mais vraiment, ça te prend au trip, quoi. C'est fou, quoi. Malenia, là. Malenia, ou celle que je dois affronter bientôt, là.
Garbit là, ou Gourbit, ou comment on s'appelle Garbit Gourbit Margit. Margit. Bah Margit, Margit, je vais poser deux jours. Hein, je vais poser deux jours. Hein. Couscous Garbit, exactement, c'était ça la ref. Hein, je vais poser deux jours, je vais poser deux jours. Avec mon niveau là, niveau claqué au sol là. Ouais. Ah, c'est... Margit, c'est un homme ? Ah, je crois que c'est une femme, moi. Ah, c'est un garçon ? D'accord. Ah, c'est un garçon ? Ok. Ah, je crois que c'était une... je sais pas pourquoi je me dis que c'était une femme. Ok. Bon. Bon, puis si vous avez des nouvelles de Bobby... Bobby comment déjà ? Bobby... Bobby Binouze, là ? C'est ça, Bobby Binouze ? Dites-lui qu'il me doit 1 000 euros. Hein. Hein ? Bon, à mon avis... Si vous le voyez dans le chat, vous le rappelez ? Je pense pas qu'il va se repointer dans ce live avant un petit moment, quoi. Hein ? Je pense qu'il a fui le pays, ouais. Je pense qu'il est parti... je pense que c'est un exilé fiscal. On en parlera ce matin d'ailleurs, le Figaro fait un dossier sur les gens qui veulent quitter la France parce qu'ils ont peur du programme du Front Populaire sur la fiscalité. On va en parler. Ok. Bon, les amis, merci d'être là ce matin. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite revue de presse des articles que j'ai lus ce matin ? Ça vous dit ? Merci à Wansé, c'est parti ? Let's go ! Merci d'être là, je suis trop content. Je vis ma meilleure vie, hop. Ils ont peur d'un programme qui ne pourra pas être appliqué. Ouais, c'est un peu ça qui est bizarre, Servino. Mais après, on ne sait pas, en ce moment, tout est bizarre. On sait pas ce qui peut s'appliquer, ce qui ne peut pas s'appliquer, quoi. Ok. Bon, alors pour les nouvelles sur cette chaîne, je commence chaque matinée à Etienne, chaque revue de presse, par un petit sommaire de 4-5 minutes, comme ça, même si vous n'avez pas... 2 ou 3 heures à me consacrer, vous avez quand même l'essentiel de l'actualité à minima. Les habitués le savent. N'hésitez pas d'ailleurs à lever le doigt les nouvelles qu'on vous accueille. Merci à Ebco pour le deuxième mois d'abonnement. Oh, normalement je prends pas d'abonnement payant, mais toi tu le mérites. Oh là 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 là. Waouh. Merci. Ok. Alors la raison pour laquelle je voulais absolument streamer ce matin, ben, c'est notamment de voir les infos qu'avaient les journaux sur ce qui s'est passé autour de Trump, le candidat, l'ancien président et candidat à la présidentielle républicain, pour cette élection présidentielle qui arrive. Et cette tentative d'assassinat, tentative puisque ratée, et j'en veux dire heureusement, je n'ai pas une immense sympathie pour le personnage Trump, qui a un rapport à la démocratie un peu particulier quand même, mais la violence en politique, qu'elle soit verbale et encore plus physique, et quand elle confine même à la suppression de la personne, on ne souhaite la violence envers quelque élu que ce soit. Hein. Donc, heureusement que ça a échoué, bien sûr. Voilà. Et moi, je vous l'ai dit quasiment dans les minutes qu'on suivit la tentative d'assassinat, parce qu'on l'a pris en direct. On l'a pris en direct dans le chat. On était en plein valo, je crois. On a fait une petite pause. Et je vous ai dit tout de suite, la présidentielle pour Trump, elle est gagnée. Merci Aliox pour le soutien. Elle est gagnée. C'est mon sentiment, je peux me tromper. Mais elle est gagnée. Hein. Il est intouchable. Il est intouchable. Invincible Trump, c'est un petit peu la question que se pose le Parisien ce matin. On est dans le sommaire, on lira l'édito de Marie-Christine Tabet. Voilà. Qui souligne que manifestement Trump est quand même né sous une bonne étoile, sous une très bonne étoile, hein, dit-elle. La soirée qui a fait basculer la campagne, vous allez voir que plusieurs éditorialistes, même s'ils restent prudents, sont un peu d'accord avec cette idée que on ne voit pas ce qui va arrêter Trump pour un nouveau mandat présidentiel. Hein. Il va être réélu 4 ans après son départ de la Maison-Blanche, cette élection qu'il a toujours contestée. Il a toujours dit que c'est lui qui avait gagné. Quoi. Alors, il y a l'aspect politique et puis il y a l'aspect, bien sûr, qui est la personne qui a voulu tuer Trump et qui a tué quelqu'un dans le public. Qui a tué quelqu'un dans le public. Qui a blessé grièvement une autre personne, je crois. Hein. Donc le meurtrier. Hein. Donc un jeune homme, très jeune, 20 ans, je crois, 20 ans. 2 blessés, 1 mort, exactement. Voilà. Qui est-il ? Alors on connaît des choses, on connaît son visage, on connaît son identité à état civil, on sait où il a passé l'équivalent du bac, on sait qu'il n'avait pas de casier. Oui, ok. Ok. Il y a Solal, 4 ans, qui me demande si je pouvais passer le balai après dans le jardin pour enlever les petites boules.
bien sûr, hein, pas de souci après la revue de presse. Je vais balayer les petites boules. Hein ? Ouais. Je vais enlever les petites boules, ok. Ok, ok, chérie. Oh, putain, ils sont. Les petites boules d'arbre qui tombent d'un arbre, les petites boules. Là. Enfin, c'est, voilà, c'est moi qui vais balayer. Et donc, et ce jeune homme, bon, il n'a pas de casier. Et finalement, c'est un immense mystère. Quoi. On ne sait pas pourquoi il a fait ça. Voilà, donc là, on va rester extrêmement prudent. Voilà. On va se pencher aussi sur les accusations de négligence portées contre les services de sécurité qui entouraient Donald Trump. Hein. Deux enquêtes ouvertes sur une faille possible, notamment du Secret Service. Puisqu'en tant que candidat à la présidentielle, en tant qu'ancien président, eh bien, il était quand même extrêmement protégé. Et il y a des questions quand même. Voilà, hein. Ça n'a pas été très bien fait, quoi, a priori. Merci, Sugar Grace Ray. Mais il n'y a que des Sugar maintenant. C'est Sugar, Sugar, Sugar ici. Hein. Il y a un pseudo sur deux maintenant de la commune, c'est Sugar. Voilà. Sauf Mélissa, qui n'est pas encore Sugar Mélissa. Un stream pour le nettoyage des petites boules dans le jardin ? Non, c'est pas très. Non, ça n'a rien. Alors je me mets. Alors, c'est vrai que. Alors, pour le coup, c'est vrai que quand je balaye les petites boules dans le jardin, j'ai un t-shirt. J'ai un t-shirt en tergale bleu. Bleu électrique, un petit peu. Assez moulant, en vrai. Hein. Voilà. C'est vrai que. J'ai une petite brassière aussi. C'est vrai que maintenant que vous me le dites, ça pourrait faire des vues, ça. Je vais y penser. Bon alors Biden déjà il était totalement à la rue puisque quasiment la totalité de son camp démocrate lui dit bon Joe maintenant faut arrêter là, en fait merci pour les 4 ans hein, mais là faut arrêter monsieur, hein, faut se retirer de la course parce que là c'est plus possible hein. Vous avez du mal en interview, vous avez mal en débat, vous avez du mal à marcher, vous avez du mal à vous orienter, vous avez du mal à oui c'est à vous que je parle. Joe, ça, c'est, par ici. Monsieur le Président. Oui, vous êtes Président. Vous avez été élu. Bref, c'est très compliqué. Et donc, son camp lui demande de se retirer. Et puis alors là, boum, alors l'histoire de Trump, là, c'est fini. Quoi. Donc, Biden réduit au silence au pire moment. On se montre dans le Parisien. Okay. La une de Libé, voilà. History of Violence. Hein, c'est le titre d'un film qui est plutôt pas mal, d'ailleurs. Et ça, c'est un autre truc hyper intéressant. Merci, Mathéo, le pire pour le Prime. C'est qu'en fait, cette tentative d'assassinat contre Trump, elle nous dit aussi beaucoup de la violence de la société américaine aujourd'hui. Vous savez, cette société où les armes circulent comme des chocolatines ou des pains au chocolat, vous dites comme vous voulez. Enfin, c'est quand même un pays un petit peu particulier. Hein. Voilà. Et ces tensions politiques hein, avec voilà, des camps qui se regardent en chien de faïence et avec une tension sociale et politique qui est extrêmement, extrêmement forte. Quoi. Voilà. Alors, si on met les armes de côté, je trouve que politiquement, la France se tend aussi. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que, moi qui suis un peu vieux, bah, je trouve que le climat politique, la manière dont les politiques se parlent, la manière dont les partisans de chaque camp, quand ils sont un peu engagés, militants, convaincus, se parlent, c'est tendu. Hein. T'es tendu. C'est comment ? C'est Natacha ? Non. T'es tendu ? C'est Natacha ? C'est ça ? Je te dis que t'es tendu. C'est ça, c'est Natacha ? Je sais plus. Natacha, c'est ça, Natacha. T'es tendu, Natacha. Voilà, bah c'est ça. Bah, la France est tendue. Voilà. Donc, Libération en parle. Voilà. Estime aussi que c'est un vrai point de bascule dans la campagne. On se penche aussi sur le jeune homme, là. Le meurtrier Thomas Matiuku, je dis meurtrier parce qu'il a tué une personne. Hein. Un tireur aux motivations inconnues. Les accusations du camp Trump qui accuse le camp Biden. Quand Biden, qui serait à l'origine de cette violence qui aurait conduit à la tentative d'assassinat de Trump. Voilà. Et puis la parole à un historien français qui salue comment Trump a très vite compris, moi c'est ça qui me bluffe, enfin, comment il a, dans l'instant, Trump, en se relevant très très vite avec ce poing brandi, comment il a utilisé le moment pour créer un truc de fou. Quoi. Voilà, donc là, on a le regard d'un historien là-dessus. Ouais. L'attentat qui peut faire basculer la présidentielle américaine, même analyse du Figaro. Alors Figaro qui justement, comme d'autres journaux, mais il consacre une pleine page, dit ben Trump c'est intéressant parce qu'il est à la fois adepte de la violence politique, hein,
c'est le moins que l'on puisse dire quand on se penche sur son parcours, ses déclarations sur le fameux épisode du Capitole. Hein. Il est adepte de la violence politique, hein. Il la nourrit, cette violence politique, mais il n'est pas le seul. L'article du Figaro est intéressant. Voilà. Là, c'est la photo de ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier 2021, hein, avec les partisans de Donald Trump qui ne voulaient pas reconnaître une élection démocratique pourtant. Il est adepte et il est victime aujourd'hui de la violence politique. Et il est victime aujourd'hui de la violence politique. Voilà. Il est adepte et victime. Ouais. Merci beaucoup, Ernst Gay, pour le 8e mois d'abonnement. Merci, Mathéo. Ouais. Hop. Donc ça, c'est dans le Figaro. On lira la croix aussi sur le fléau de la violence politique. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a une tension politique croissante aux États-Unis entre élus, entre citoyens. Et je trouve qu'en France, ben, toute chose étant égale par ailleurs, ce n'est évidemment pas la même situation. Je trouve qu'en France aussi, ça se tend. Voilà. L'aviateur fou, merci pour le 20e mois d'abonnement. Il suffit de voir comment les politiques se parlent, les anathèmes qui sont lancés, les accusations, hein, comment les citoyens se parlent aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Et moi, c'est un truc qui m'inquiète un petit peu. Hein, sur le vivre ensemble, je trouve que ça se tend un petit peu. T'es tendu. Je te dis que t'es tendu. Voilà. Le fléau de la violence politique dénoncé par la Croix. Voilà. Bon, grosse page Trump ce matin. Je voulais absolument être là ce matin, d'où la nuit blanche. Et puis une petite page quand même poétique. On en est où ? On en est où d'une éventuelle majorité pour diriger un peu les affaires du pays à l'Assemblée, d'un éventuel gouvernement, d'un éventuel Premier ministre ? Eh ben nulle part. Rien, zéro, rien, que dalle, hein, pas ça, que chi, rien du tout, voilà. Du côté de Macron, il se passe pas grand-chose, voilà, c'est un peu flou. Du côté de la gauche, ils n'y arrivent pas. Hein. Il y a Tépic 35 qui dit, il est où le Premier ministre de gauche ? Ils n'y arrivent pas à s'entendre, voilà. Donc ça, on lira dans Le Parisien, on lira aussi dans Libération. Un journal de gauche, blocage au désespoir, très joli titre. Voilà, ça. Voilà. Donc, ça, on fera un petit point là-dessus. Mais on va, voilà. Total flou, on ne sait pas. Tout peut se passer ou rien peut se passer. Voilà. Il n'y a pas une date limite pour nommer le Premier ministre, je vous en parlerai. Non, il n'y a pas de date limite, c'est ça qui est formidable. On retournera sur la Constitution si vous voulez. Voilà. Enfin, il n'y arrive pas. Le PS n'arrive pas, dit Anne Le Nain. Qui n'a pas voté pour un élu socialiste. oui, c'est ce que disent LFI et les écologistes. Ouais. Mais ouais, bah, en fait, ils se tirent tous la bourre, quoi, hein, la couverture à soi. Voilà. Là, effectivement, c'est le PS qui a mis un veto au nom d'une politique ancienne communiste, proche des LFI aujourd'hui. Voilà, tout le monde était d'accord a priori. LFI, communiste, écologiste était plutôt OK. Les socialistes ont dit non, c'est vrai. Eux qu'on bloquait sur le. Voilà. Mais avant, c'était. Les blocages étaient venus ailleurs, quoi. Oh, ça bloque de partout. Hein. Ça bloque de partout. Hein. Ouais. Silent Cheetah, 830 000 followers. Je me souviens des 100 000 comme c'était hier, c'est dingue. Merci beaucoup. Merci Dark Nijo pour le Prime. Merci Tagon pour le 2e mois. Merci Sacharge pour le 6e mois. Merci l'Aviateur Fou pour le 20e mois. On a fait le calcul. Si on restait sur cette dynamique folle depuis quelques mois sur cette chaîne, où les amateurs de jeux vidéo sont venus s'amuser à voir une vieille personne jouer au jeu et sont additionnés à ceux qui venaient pour l'actu, et ben fin décembre, si on bosse bien, le million, eh oui, fin décembre, si on reste sur cette dynamique, hein, ouais, l'Armina, vous vous rendez compte ce que ça fait ? Un million, plus les 1000 euros de Bobby Binouze. 1 million de followers, fin décembre. Plus les 1000 euros de Bobby. Non, je ne sais pas si vous rendez compte. C'est la fête. Hein, je suis tellement heureux que je pense que je vais vous streamer mon petit balayage de boules dans le jardin avec mon petit short bleu, là, tout à l'heure. Alsulf, merci pour le Prime. Flochette 3, merci pour le Prime. Ouais. On n'oublie pas Bobby. Bien sûr qu'on n'oublie pas Bobby. Bobby, on ne t'oublie pas. Tu nous dois 1000 balles. Voilà. Les boules, il y a un arbre qui fait des petites boules dans le jardin et je dois passer le balai. Voilà. Et je vais peut-être le streamer. Voilà. Ah, il y a mon grand Maloquet qui est par là. Quel bonheur ces enfants. Voilà. Et puis à propos de politique, alors j'ai ri. Le Figaro nous a fait un petit dossier sur ces Français poussés à l'exil par l'arsenal fiscal du nouveau Front Populaire.
Et là, mon premier réflexe, je dis, mais ah, attendez, il y a Malo qui arrive, je mets l'alerte. Viens, Malo. Il va vouloir faire une chronique Pokémon, je vais dire non. Malo. Oui, Pokémon. Non, parce que là, je viens de commencer ma revue de presse. Quoi seulement. Et, par contre, oui. je voulais te dire quelque chose. Mais quand je pourrais faire un quiz Pokémon? Votre affaire. À tout à l'heure, peut-être plus tard. Mais c'est pas une heure, ça? Non. Oh, mais dis donc. Dis donc, c'est mon stream, hein? T'as qu'à créer ta chaîne, hein? Malo, t'as qu'à créer ta chaîne, hein? Je peux pas? Bon, pourquoi tu peux pas? Bah. Dis non. Tout à l'heure. Je peux dire quelque chose? Bah, tout à l'heure, ça veut rien dire. Je peux te dire quelque chose? Oui, mais ça veut rien dire. Je peux te dire quelque chose? T'es le plus beau des petits garçons du monde. Tu veux venir? Tout à l'heure, tu veux faire un quiz Pokémon? D'accord. T'essayes de pas couper le câble RJ45 en partant? Doucement à la porte, hein? Doucement. Stop. Merci mon chouchou. Non mais non. Tu m'avais dit. Non, tu fais doucement. À quelle heure je peux pas savoir. J'ai une montre. Bah viens à 11h. À 11h dans une heure. 11h. 11h15. 11h15. 11h15 chronique Pokémon. Voilà, c'est bon. Bah. 11h15. Bon, chronique Pokémon à 11h15. Préparez vos subs. Ah ouais, je ris. Ces Français poussés à l'exil par l'arsenal fiscal du Nouveau Front Populaire. Je dis, mais ils sont pas au gouvernement, ils sont pas au pouvoir. Pourquoi il y a des Français qui sont poussés à l'exil? Poussés. Tranche d'impôt sur le revenu à 90%. Retour de l'ISF. Flambée des droits de succession. La perspective d'un gouvernement du Nouveau Front Populaire n'inquiète pas seulement les grandes fortunes, mais aussi le nombre d'entrepreneurs et de cadres supérieurs, lesquels sont en défiant en Europe et aux États-Unis. Tiens, j'étais un peu intrigué, alors je suis allé page 24 et 25. C'est là. Voilà. Et donc, en fait, alors, c'est là où il ne faut pas s'arrêter au titre. Parce que, allez, vous regardez la une. Ces Français poussés à l'exil par l'arsenal fiscal du Nouveau Front Populaire. Donc, poussés à l'exil, vous dites, mais il y a plein de Français, ça y est, ils sont aux frontières, là, avec les valises, pleines de billets. En train de partir. Puis après, quand tu lis l'article, tu te rends compte que non. C'est des Français, des petits patrimoines qui vont bien. Hein. À un moment, dans l'article, tu as. Qui sont ces Français alors c'est des Français moyens, hein, des Français qui ont un peu travaillé, qui ont un patrimoine compris entre 5 et 500 millions d'euros. Hein? Oui, entre 5 et 500 millions d'euros, quoi. Hein? Ah oui. Et donc, il y a des cabinets spécialisés dans ce genre d'OP, quoi. Et qui reçoivent plus de demandes de candidature, quoi. Voilà. Donc on n'est pas sur des cadres, hein, on n'est pas sur des cadres supérieurs, quoi. On est sur des gens qui ont un peu des sous, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Et c'est des gens qui se renseignent. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'article laisse croire quelque chose. Tu vois que il y a des milliers de Français aux frontières en train de partir. Et quand tu lis l'article après, bah, tu te rends compte que non, il y a des gens qui se renseignent. Et surtout, c'est très compliqué de s'exiler fiscalement, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des règles à respecter, donc finalement, il y a très très peu qui le font. Voilà. Et puis surtout, bah, le Front Populaire, il n'est pas au pouvoir. Et je ne crois pas qu'ils soient en capacité politique d'imposer sa réforme fiscale, quoi. Hein, ça, vous le savez. Voilà. Et puis, rapidement, pour ceux qui ont suivi un petit peu, l'Espagne... on dit cocorico en France, comment on dit en Espagne olé. Comment c'est dit cocorico espagnol? Comment c'est dit? Il paraît que Bobby Binouze était en train de s'expatrier de la France. Ouais. Comment c'est, je crois que c'est Kirikiki, oui. Je crois que c'est Kirikiki. Je crois que les Espagnols disent Kirikiki au lieu de Cocorico. C'est vrai. Pourquoi Megusa Shakira? Pourquoi vous dites ça toujours? C'est fou, ça. Attends. Kirikiki. Je crois, non? C'est ça, je le savais. Encore une bonne info du chat. Ouais. L'équivalent espagnol du cri du coq cocorico, c'est kirikiki. Parce qu'en fait, les Espagnols ne disent pas cocorico. Et en anglais, c'est comment? Coco rico. Anglais. C'est pas coucou roucou? C'est pas coucou coucou.
coucou, splash splash, tout ça, non? Comment ils disent? En anglais, cock-a-doodle-doo. Quoi? Cock-a-doodle-doo? Mais ils sont bourrés. Mais un coq a jamais fait coq. Cock-a-doodle-doo. Mais non. Cock-a-doodle-doo, mais ils sont... Mais... Cock-a-doodle-doo. Non. Cock-a-doodle-doo. Non, mais jamais. Ben, c'est impossible, mais ils savent pas, ils ont pas d'oreilles ou quoi? Cocodolol. Non, ils vont cocorico. Oui. Kikiriki. À la rigueur, en allemand c'est kikiriki. Kikiriki. Voilà. Et les anglais, cocodoodledou. Est-ce que vous avez déjà entendu un coq dire cocodoodledou? Bon, les anglais sont complètement barrés, c'est pour ça qu'on les aime d'ailleurs. Voilà. Donc je reviens à ma revue de presse. En ce moment c'est kirikiki. Voilà, puisque. L'Espagne, ils ont gagné l'Euro, voilà, et ils ont gagné aussi Roland Garros avec Carlos Alcaraz. Hein, voilà. Ah oui, d'ailleurs, les Anglais, ils ont perdu hier. Donc, ils n'ont pas dit Coco Doudoudou. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si certains ont vu le match hier. Oh, mes deux petits garçons, ils étaient devant le match hier. Ils n'y connaissent rien, ils se passionnent pour ce truc. Moi, je n'aurais jamais le foot à la maison. Les deux petits choux, là, ils étaient. Devant la télé, alors que personne ne regarde la. J'ai dit quoi, Roland Garros? Oui, Wimbledon, pardon. Ils étaient devant le match, voilà, et ils étaient à fond. Ils ont dit à mon amoureuse, le petit dernier, il arrêtait pas de venir. Il dit maman, maman, il y a carton jaune, il y a carton jaune. Incroyable. Trop chou. Ouais. Voilà la petite revue de presse de ce matin. Ça vous avait l'essentiel. Maintenant, on va lire tout ça, on va prendre le temps, on va échanger, on va rire, on va pleurer. Ça va être le super. Oh, c'était une blague, désolé Sam, j'ai pas vu ta blague, j'en doute. Qu'est-ce que t'as dit, j'en doute? Qu'est-ce que t'as dit, j'en doute? J'en doute, c'est le nouveau pseudo de Bobby ou pas? Qu'est-ce que t'as dit comme bêtise encore, j'en doute? Les Anglais, ils mélangent le coq. Oula, 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 oh, 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 oh. J'en doute, j'en doute. J'en doute. Tu dors quand, Samuel? Ben, je sais pas, peut-être ce soir. C'est le Grand Torino. Non, carton jaune à l'euro. Ouais. Trop mimi, Princesse Charlotte. C'est qui, Princesse Charlotte? C'est une princesse britannique, une petite britannique. Hein, mmh. Ouais. Le coup de balai, c'est pas tout de suite, le coup de balai. La princesse Charlotte, c'est quoi? C'est un des enfants de. Ouais, c'est un des enfants de William, c'est ça. Ah ouais, excusez-moi, je suis pas très. D'ailleurs, je ne me lève pas la nuit pour lire les journaux sur la famille royale britannique, ça n'est pas. Hein? Alors désolé, je suis pas très... voilà. Alors désolé. Hein? Chacha... Ah bah elle est là. La princesse Charlotte est dans le chat. Il y a Chacha Ponk qui dit c'est moi. Ok, d'accord. Non mais j'ai beaucoup de respect pour la famille royale britannique, mais je m'en bats les couilles, quoi. Hein? Bon, on y va pour la revue de presse, là, on a fait le sommaire. Bah oui. Moi j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Hein, et voilà. Mais je m'en fous, quoi. Oui, d'accord. Hein? Faut dire les termes quand même. Hein, on est pour la télé, on peut dire ce qu'on pense. On y va? C'est parti. Depuis quand Samuel Etienne est autant sans filtre? Impératrice Brume, bah puis je suis sur Twitch. Hein. Pour tout. Hein. Ah non, mais ici on va pas s'embêter avec des éléments de langage, quoi. Stéphane Bern vient de faire un infarctus. Il est sympa, Stéphane Bern, vous savez. C'est un vrai gentil. Bon, on y va? Let's go. J'ai votre top. Top à la une. Top à la déconne. Top à la vachette, exactement. Étoile fait les sélections, question pour un champion aujourd'hui, il y a 12. Oui, enfin les sélections, c'est-à-dire l'équipe de sélection va lui passer un coup de fil, comme elle passe des coups de fil à des dizaines et dizaines et dizaines de candidats tous les jours, quoi. Pas non plus, hein, c'est pas non plus, c'est pas les, hein, c'est pas l'élection présidentielle non plus, hein. C'est, moi pas, hein, c'est juste quelqu'un de l'équipe casting qui fait passer le petit test de sélection qu'on a fait passer des milliers et des milliers et des milliers de fois plein de candidats, faut pas non plus, hein. C'est pas non plus c'est pas le prix Nobel de la paix, hein. Hein,
comme c'est une formalité, après il va venir jouer, enfin, et puis voilà, là on en parlera. C'est parti, la revue de presse ? C'est parti. Let's go. 45 minutes d'intro, on est bien. Hein ? Allez, invincible Trump. Bah oui, invincible Trump. Bah parce qu'il a survécu. Hein ? La balle lui a quand même emporté un petit bout de l'oreille, je crois. Voilà. Elle aurait pu tuer, puisqu'on sait que le tireur a tué une personne dans le public juste derrière l'ancien président. Donc il a échappé à cette tentative d'assassinat. Invincible Trump, voilà. Il n'a pas été tué, et surtout invincible parce que il semblerait bien que rien ne puisse l'empêcher de redevenir président des États-Unis après ce qui s'est passé. Dragon Lion, il a survécu à sa blessure de l'oreille, quel homme. Dragon Lion, ce que tu dis n'est pas tellement respectueux pour la famille de la personne qui a perdu la vie, juste derrière Trump, qui s'est pris une balle dans la gueule. Voilà, et c'était une de ces balles qui visait Trump. Donc oui, c'est quand même, il a quand même eu de la chance, quoi. Hein, contrairement à la personne qui était derrière lui. Lisons justement sur cette histoire de chance l'édito. Marie-Christine Tabet, Lucky Donald. L'ancien président des États-Unis est indéniablement né sous une bonne étoile, sous une très bonne étoile. Cible d'un tireur qui a fait 2 blessés et 1 mort. Voilà. Donc les plaisanteries autour de Toussaint Laurier, on va laisser tomber, hein, pour penser aux gens qui les ont pris les balles. Positionné juste derrière lui sur l'estrade du meeting, lui en est ressorti indemne ou presque. À quelques centimètres près, l'impact aurait été fatal. Voilà. Le républicain dont les partisans avaient pris d'assaut le Capitole s'est métamorphosé en victime, mieux en miraculé. Je crois qu'il a remercié Dieu de l'avoir sauvé. Il a reçu des messages de soutien du monde entier et de ses adversaires politiques les plus solides, dont Barack Obama, Hillary Clinton et bien sûr son concurrent à la présidentielle, Joe Biden. Il a reçu énormément de messages de soutien du monde entier. Merci à Félix Rann. Merci pour le prime. Et c'est normal d'ailleurs, parce que la violence en politique, ça n'est pas acceptable, évidemment. Le quasi-ambassadeur de la NRA, donc on parle de Trump, la puissante association de défense de porte-armes aux États-Unis, incarnation de la violence en politique, le contempteur de la presse et des journalistes, le théoricien de la fake news condamné par la justice pour falsification de documents comptables, il a un petit CV un peu sympa, est apparu en héros de séries télévisées. Au pire moment pour son rival Joe Biden, dont la candidature est mise en cause par ses propres supporters dont il paraît physiquement diminué, c'est sa détermination et son esprit combatif qui ont imprimé la pellicule, avec cette image que vous voyez là, en haut à droite, faisant entrer les photographies de l'attaque de Pennsylvanie dans l'histoire. C'est vrai que c'était une séquence historique. La chance est indispensable, mais elle ne suffit pas. Encore faut-il savoir la saisir. Trump l'a fait en serrant un poing vengeur contre l'ennemi et en invoquant la protection divine sur ses réseaux sociaux. Il faut reconnaître à Trump que la façon dont il a réagi à cette tentative d'assassinat, quand il s'est relevé, le poing levé, voilà, cette détermination qu'il a affichée, la détermination d'un homme fort, c'est un peu l'image qu'il a donnée, voilà, sur un plan d'image et de politique. C'est extrêmement réussi, c'est extrêmement fort. Bon. Quant à ceux qui s'interrogent sur « Ah, mais est-ce que ce ne serait pas un complot ?» Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous non plus. Voilà. Les théories du complot sont des solutions intéressantes parce que ce sont des explications simples à un monde compliqué. Donc je n'ai pas la réponse à cette question. Attendons le travail des enquêteurs, puisqu'il y a énormément de questions sur l'auteur des coups de feu qui a été abattu. On ne sait pas. Donc ne nous interrogeons pas collectivement sur un éventuel complot posé par qui aurait été fomenté par quelqu'un ou par quelqu'un d'autre. On pourrait passer des heures, on n'est pas au café à inventer des histoires. On va se pencher plutôt sur les faits et essayer de comprendre ce qui va se passer. Aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas. La soirée qui a fait basculer la campagne, donc le Parisien revient sur les faits. On était au meeting de Donald Trump à Butler, en Pennsylvanie. On était samedi soir, on a vécu ça en direct, on était en train de jouer à Valo. 18h11, heure des États-Unis, sur le toit du hangar d'une entreprise située à moins de 120 mètres de l'estrade, Thomas Matthew Crooks, c'est
le tireur, l'assassin, puisqu'il a tué quelqu'un, tient un fusil semi-automatique AR-15. Ce fusil qui est extrêmement distribué aux États-Unis, qui est quasiment une arme de guerre. Hein. Voilà, sauf qu'il est semi-automatique et pas automatique. Il fait feu à plusieurs reprises. Donald Trump interrompt sa phrase, se touche subitement l'oreille, plonge sous le pupitre. 5 agents, lunettes, costumes noirs, fondent sur lui. Les spectateurs se courbent comme ils peuvent. Dans les gradins qui semblent tanguer, 3 personnes sont touchées par les tirs. Un homme de 50 ans, ancien pompier et père de 2 enfants décède. Hein, on a entendu qu'en fait, il serait mort en voulant protéger les corps de ses proches. 2 autres sont grièvement blessés. Le candidat se relève, du sang sur la joue, il lève le poing. Ses lèvres forment le mot « fight », la lutte, jusqu'au van noir dans lequel il s'éclipse. Le magnat de l'immobilier harangue la foule. Merci pour les F, pour la mémoire de la victime. L'image de Trump, poing levé, visage ensanglanté, va inonder les réseaux sociaux. Il n'arrêtera jamais de se battre pour sauver l'Amérique, écrit sur Twitter X Donald Trump Jr., le fils aîné du milliardaire. Son deuxième fils, Eric, renchérit. Voici le combattant dont l'Amérique a besoin. Saïd Murad, merci beaucoup pour le soutien. Sans attendre, des théories complotistes s'étalent sur Internet. Hein, pour ceux qui posent la question du complot, dans le chat, plusieurs hauts dirigeants républicains fustigent Joe Biden, l'accusant d'avoir joué un rôle dans la tentative d'assassinat de leur candidat. Merci beaucoup, culotte courte. Comment vas-tu ? La sécurité du meeting est également pointée du doigt, comme le souligne Chrome le déglingo dans le chat, obligeant les services secrets américains à démentir avoir refusé des moyens supplémentaires pour protéger l'ancien président. Absolument faux, a rectifié le Secret Service. Les conséquences de cet événement sur la campagne sont encore difficiles à anticiper, écrit le Parisien ce matin. Ces dernières semaines, les doutes se cristallisaient sur la santé physique et mentale, surtout de Joe Biden. Vous le savez, après sa performance déplorable lors du débat contre Trump, c'était le 27 juin, la candidature de Biden, l'octogénaire, semble de plus en plus difficile à tenir. Voilà, tout le camp démocrate est mobilisé pour que Biden se retire, mais pour l'instant, il ne se retire pas. Face à lui, le candidat Trump sort grandi de cette attaque, c'est le minimum que l'on puisse dire. Dommage qu'il ait eu accès à une arme, n'est-ce pas ? Bah oui, bah c'est le problème des États-Unis, hein. On va en parler. Au vu des circonstances dramatiques, son investiture officielle par le parti, jeudi, prendra sans doute des allures de sacre. Voilà. À minima, la conséquence de cette tentative d'assassinat, c'est que dans le camp républicain, ça va serrer les rangs. C'est-à-dire que Trump est intouchable au sein de son propre camp, quoi. Dans un des journaux que j'ai lu ce matin, il y avait un politologue qui disait tout électeur républicain va encore plus aller voter que s'il n'y avait pas eu ça, quoi. C'est-à-dire que des électeurs potentiellement républicains hésitants, après cet événement-là, ils vont aller voter. Voilà. Donc il y a une mobilisation du camp républicain qui va être très 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 forte. Très forte. Voilà. On va continuer à se pencher sur les conséquences politiques de cette tentative d'assassinat. On va se pencher aussi sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le profil du tireur slash du tueur, puisqu'il a tué une personne et on a grièvement blessé 2 dans le public. Qui est Thomas Matthew Crooks, 20 ans ? Un jeune homme plutôt solitaire, dit le Parisien. L'image est typiquement américaine, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, un bachelier au visage juvénile, cravaté, vêtu intégralement de noir, sourit à l'objectif pour immortaliser son succès à l'examen. C'était en 2022, il y a 2 ans, hein, l'équivalent du bac pour nous. Et Thomas Matthew Crooks participait à la traditionnelle remise des diplômes. 2 ans plus tard, ce jeune Américain de 20 ans seulement, domicilié à Battle Park, arrondissement du comté d'Allegheny en Pennsylvanie, a été identifié, donc comme le FBI, comme l'auteur présumé de la tentative d'assassinat de l'ex-président Trump. Je crois qu'il y a eu notamment des analyses ADN. Une vidéo le montre allongé sur un toit, en tenue kaki, en train d'ajuster son arme, juste avant de tirer sur l'estrade où le candidat républicain Trump discourt ce 13 juillet à Butler. Il est à moins de 120 mètres de Trump. Il aurait tiré 5 à 7 coups de feu. Quelques secondes plus tard, il est abattu par les snipers du Secret Service, le service de protection des présidents et anciens présidents américains. Crooks, né le 20 septembre 2003. A été identifié par son ADN, je vous le disais, et son authentification biométrique, le jeune homme, casier judiciaire vierge, inconnu des bases de données judiciaires fédérales.
L'arme retrouvée à ses côtés est un fusil d'assaut semi-automatique de type AR-15, réputé très répandu aux États-Unis, souvent utilisé lors des tueries de masse, parce qu'il est assez facile à se procurer. Hein. C'est une quasi-arme de guerre. Voilà, une arme qu'un membre de sa famille aurait achetée, peut-être son père. Selon les médias américains, Thomas Matthew Crooks était inscrit comme électeur républicain dans les registres de l'État de Pennsylvanie depuis ses 18 ans. Ça, c'est un peu bizarre. Mais quelques mois auparavant, à 17 ans, il avait fait un don de $15 à un comité d'action politique œuvrant à lever de fonds pour les policiers de gauche et du Parti démocrate. Donc il était identifié par les registres de l'État de Pennsylvanie comme un potentiel électeur républicain et il avait fait un don à une organisation de gauche et démocrate. Voilà. Donc voilà, l'enquête va se poursuivre. Pour l'instant, c'est son père notamment qui dit qu'il ne comprend pas, il ne sait pas. Un ancien camarade de classe assure que Crooks n'avait vraiment pas l'air bizarre ou quoi que ce soit d'autre, c'était plutôt un solitaire, il avait probablement un groupe d'amis mais pas beaucoup d'amis. Interrogé par CNN, le père de Thomas Matthew Crooks, Matthew Crooks, a déclaré qu'il essayait de comprendre ce qui se passe mais qu'il attendait de parler aux forces de l'ordre avant de parler de son fils aux médias. La question du mobile est bien sûr au cœur des investigations, nous n'avons pas encore identifié de motif, a indiqué le FBI. Voilà. Aujourd'hui on ne connaît pas à ce jour, au moment où je vous parle, les motivations du tireur. Je fais une petite pause et on va se pencher sur les éventuelles failles des services de sécurité. Je vous lis un petit peu et je réponds éventuellement à vos questions s'il y a des réponses. On n'a pas toutes les réponses. Ah, c'est intéressant, il y a Mead Culpa qui dit c'est pour voter aux primaires que les États-Unis, les Américains s'inscrivent pour un parti, pas forcément ceux qui soutiennent. Ok. Bah oui, il est mort, donc bon, c'est plus dur de l'interroger après l'avoir abattu. Ouais, sauf que ça va fouiller les disques durs des PC, ça va fouiller le contenu du téléphone portable, ça va fouiller la correspondance, ça va interroger les proches. L'enquête, elle est quand même possible. Addict Art, je sais que tu es un sympathique habitué de cette chaîne, mais quand tu dis qu'il faut un motif pour s'attaquer à Trump, vraiment, tu n'es pas en train de légitimer la violence politique. Tu n'es pas en train de légitimer le fait qu'on puisse tirer sur un homme politique, même si on n'est pas d'accord avec lui. On est d'accord que ce n'est pas ça que tu veux dire. Parce qu'en fait, ta phrase, on pourrait la prendre comme ça, quoi. Merci Framboise pour ta réaction sur le message que je viens de voir dans le chat. Bien joué. En fait, il y a Knoxern qui écrit, qui a peut-être raison. J'imagine que le motif pour tirer sur un homme politique est probablement un rejet énorme de ses valeurs positions. C'est peut-être tout à fait juste, mais le problème dans ma phrase, c'est le peut-être, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Et en fait, aussi frustrant que cela puisse être aujourd'hui, on ne peut pas, et ça ne sert à rien d'essayer d'imaginer hein, les motivations du tireur, parce qu'en fait, c'est un travail d'imagination, c'est un travail de conjecture plutôt d'ailleurs, pardon. Mais attendons des éléments factuels, quoi, hein, pour que nos échanges soient fondés sur des informations, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a One Gamu Gamma qui dit « Salut Sam, j'ai entendu dire que certains parmi les services de sécurité avaient le sniper en vue depuis longtemps, mais qui n'a pas été autorisé à tirer. Qu'en penses-tu ?» Une des informations que j'ai vues dans les journaux ce matin, c'est que la position du tireur aurait été signalée, l'information aurait été donnée aux services de sécurité et que les tireurs d'élite
assurant la sécurité de Trump, l'avait repéré, mais manifestement aurait imaginé que le gars faisait partie du dispositif de sécurité. Une histoire comme ça. Bon, là aussi, attendons les informations. On va l'évoquer d'ailleurs ce matin. Regardez, Secret Service, deux enquêtes ouvertes sur une faille possible. Hein, il y a quand même deux enquêtes ouvertes. Ah ben non, je ne suis pas sûr. Ben alors, non, moi, je ne suis pas un spécialiste de questions de sécurité, mais ça aurait été plus simple de l'arrêter, plus de le questionner, et seulement après qu'il parte au tribunal pour prendre la peine maximale. Le problème, c'est que le gars, il a un AR-15, un fusil semi-automatique, il a déjà tiré 5 à 7 fois, il a déjà tué une personne, blessé grièvement deux, il est en train littéralement d'arroser la foule et de tenter de shooter Trump. Alors, je ne suis pas un spécialiste des questions de sécurité, mais je pense que la consigne qui est donnée au service de sécurité, c'est de mettre fin à la menace, quoi. Je pense, hein. Je pense. Sugarello dit qu'ils étaient obligés de le tuer. Je pense, en fait, pour éviter qu'il y ait d'autres victimes, quoi. Je pense. Même si on aurait tous préféré qu'il soit arrêté, interrogé, condamné. Voilà. Et il tire avec un fusil qui peut évidemment faire des dégâts. Hein. Mais je ne suis pas un spécialiste de ces questions, quoi. Alors, deux enquêtes ouvertes sur une faille possible au sein des services de sécurité. Comment un homme armé d'un fusil d'assaut a-t-il pu tirer sur Donald Trump en plein meeting sans être appréhendé avant? Il y a des questions quand même. Hein. Sans être complotiste, sans imaginer des trucs de fou, on a le droit de s'interroger quand même sur des trucs. Peut-être pas sur des complots, mais sur des failles, sur des erreurs. Hein. La tentative d'assassinat de l'ex-président américain soulève de nombreuses questions quant au dispositif de sécurité sur place. Où a-t-il failli? Pour qu'un gars puisse tirer comme ça sur Trump et sur des gens dans la foule, c'est qu'à un moment, il y a un truc qui n'a pas marché dans le dispositif. On a le droit de le dire. Quelles sont les responsabilités des uns et des autres? C'est tout l'enjeu de l'enquête fédérale qui a été ouverte. Le chef du bureau de Pittsburgh du FBI a reconnu qu'il était effectivement surprenant qu'un assaillant ait pu tirer à plusieurs reprises. Au sein du FBI, on dit qu'il y a un truc qui n'a pas marché, quoi. L'un des points cruciaux de l'enquête devra tenter d'expliquer pourquoi le bâtiment sur lequel était positionné le tireur n'était pas sécurisé. Clama Coquine me dit qu'il y aura une audition le 22 juillet. Selon les premiers éléments du Secret Service, qui est donc le service de protection rapproché des présidents, des anciens présidents et des candidats à la présidentielle, l'assaillant était posté sur le toit d'un bâtiment à 120 mètres de l'estrade du candidat. Depuis l'assassinat de Kennedy, le Secret Service n'est pas censé laisser des toits inoccupés avec ses agents, encore moins avec une vue aussi dégagée. C'est une faille potentielle, voire évidente, dans le système de sécurité mis en place, estime une politologue spécialiste des États-Unis. Surtout, au-delà de l'histoire du toit, comment le tireur a-t-il pu se faufiler jusqu'au bâtiment alors que le site est soumis à un périmètre de sécurité très strict? Les participants doivent arriver très tôt, leurs sacs sont fouillés, passés au détecteur de métaux. À l'évidence, le périmètre de sécurité était restreint, était trop petit. Trop petit. Hein? Après, alors ça, il y a un débat dans le chat sur 120 mètres avec un fusil type AR-15, c'est quoi? Je ne me rends pas compte. Moi, je suis pas un spécialiste de balistique. Est-ce que 120 mètres, c'est loin avec un AR-15? Est-ce que ça demande un grand talent de tireur? Je ne sais pas s'il y a des experts de balistique, des gens. Yaya qui me dit c'est rien, c'est rien. Vous êtes plusieurs à dire que c'est vraiment pas grand-chose, que la portée, c'est de 500 mètres. D'accord. Donc 120 mètres avec un AR-15, c'est pas très loin. Ok. Bon, il y a... Ok, c'est pas très loin. Ok. C'est fait pour être précis à 300 mètres sans trop d'entraînement. Dont Cervantes 92, expert de jeux vidéo, rien de plus. Tu sais, quand il y a 5000 personnes dans le chat, bah sur 5000 personnes, il y a des passionnés de jeux vidéo, puis il y a des médecins, il y a des enseignants, il y a des personnes en recherche d'emploi, il y a des ingénieurs, il y a des spécialistes du nucléaire, il y a des joueurs de foot, il y a des gens qui s'intéressent peut-être à la balistique et qui s'y connaissent un petit peu. Bah, 5218 personnes, moi je peux estimer qu'il y a des gens qui connaissent un peu le sujet. Voilà, il y a de tout. Il n'y a pas que des amateurs de jeux vidéo. Voilà. Donc quand il y a 20 personnes qui en même temps me disent non, effectivement, AR-15 a une portée assez grande. Oui, il y a des militaires aussi.
J'ai tendance à dire que c'est peut-être une info qu'on peut prendre en considération. Voilà. Ouais, 500, 600 mètres apparemment, quelqu'un fait une recherche sur la R15. De portée avec un peu de précision. Donc, périmètre de sécurité qui était peut-être trop restreint, c'est pas tout. Voilà. Plus surprenant, plusieurs témoins. Alors ça, c'est le truc dont je vous parlais tout à l'heure qui est incroyable. Plusieurs témoins ont affirmé avoir vu le tireur au sommet du bâtiment et avoir alerté la police locale quelques minutes avant le coup de feu. Avant les coups de feu, c'est quand même incroyable. Je répète cette info. Plusieurs témoins ont affirmé avoir vu le tireur au sommet du bâtiment et avoir alerté la police locale avant les coups de feu. Information rapportée par le Parisien. Écoutez ça. Les snipers du service de sécurité semblent avoir identifié le tireur avant les détonations, mais ne l'ont pas neutralisé. Peut-être ont-ils cru qu'il faisait partie du dispositif de sécurité, même si son fusil pointait vers la scène, alors qu'il aurait dû être pointé vers les alentours. C'est ce qu'avance un policier spécialisé en protection des personnalités. Plusieurs élus républicains ont affirmé que Trump avait demandé des moyens supplémentaires pour assurer sa sécurité en amont du meeting, que ces moyens ont été refusés. Une affirmation qui a été démentie par le Secret Service, qui assure même que des moyens de protection ont été ajoutés. Voilà. Letty dit, on peut être journaliste et fan de jeux vidéo. Tout à fait. Voilà. Et être fan de jeux vidéo, c'est une activité très saine. Je connais un gars qui a passé une nuit blanche, qui n'a pas dormi là, pendant 24 heures, parce qu'il a joué 11 heures à Elden Ring, parce qu'il s'est tapé un boss. Donc moi, je respecte. Je respecte ça. Il y a Anastrash qui dit « Je viens de voir la vidéo amateur d'un gars qui filme le tireur avant l'assaut. Les gens crient à la police. Grosse faille évidente de sécurité. » Boss qui l'a battu. Boss qui l'a battu. Boss, ouais. Ouais, Sentinelle qui a été abattu. Lincus, comment vas-tu? Ça va? Merci d'être avec nous. Et mesdames et messieurs. Je t'ai peut-être allumé le feu, Galin. Mesdames et messieurs. Voilà, on a des personnalités, on a des belles personnes dans ce chat. Mesdames et messieurs, Lincus, streamer, maître du jeu du JDR, Table Quest. Voilà, il est là, il est avec nous. Ça va, Lincus? Chat de qualité, s'il vous plaît. Chat de qualité. Merci beaucoup, Napoléon, pour le soutien. Merci, Zalcider, pour le prime. Chat de qualité. Voilà, quelqu'un vous a épinglé la victoire sur la Sentinelle. C'est en haut. Voilà. 11 heures de live, 5 heures sur la Sentinelle. JDR auquel tu vas te mettre, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Voilà. Voilà pour le Parisien sur l'aspect sécurité. Et puis un petit mot de Biden. Un petit mot de Biden. Attends, j'ai envie de vous lire sur la sécurité quand même 2 secondes. Et puis après, on passe à Biden. Soon, le JDR avec Sam, yes. Ok, il y a Lincus qui leak. Ok. Vous avez la chaîne de Lincus qui est en haut du chat. Merci, mon petit chéri, pour le prime. Numéro 10, on ne les a pas, les motivations du tueur. Pour l'instant, l'enquête ne donne pas. On n'a pas d'infos du côté des enquêteurs. Je l'ai battu à quelle heure? Je l'ai battu à 5h du mat, Néono. Et après, je suis allé lire les journaux pour vous. Voilà. J'ai enchaîné. C'est l'amour de Twitch. Bien sûr que la VOD d'hier va être sur YouTube. Dès aujourd'hui, normalement. Ouais. Merci FLX Ran pour l'abonnement Faire la Commu. Merci à toi. Merci Wakems pour cet abonnement que tu viens de prendre. Nuit blanche à ton grand âge, c'est pas sérieux, que va dire le médecin? Quoi? Merci beaucoup. Merci encore, Vagames. Merci. Oh, le raid de Martin. Voilà, on parlait d'un chat de qualité. Regardez, il y a Martin, le DJ de Twitch. Les meilleures matinées, les meilleures matinales. Le réveil dans la bonne humeur, le réveil avec de la musique. Les modos vont évidemment épingler la chaîne de Martin, qui ne prend pas de vacances, qui est en stream actuellement là. J'espère que tu vas bien, Martin. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Merci pour le raid, c'est adorable. Voilà. Un chat de qualité avec des streamers dedans. Hein. Lincus est avec nous. Martin est avec nous. C'est beau.
N'imaginez pas ce qui s'est passé en Pennsylvanie. N'imaginez pas ce qui s'est passé autour de la tentative d'assassinat de Trump. Attendez les infos. Attendez. Soyez rigoureux et rationnels. Lady Kaka, joli pseudo, soit dit en passant, Lady Kaka. Beaucoup de gens veulent descendre Trump, ils ont juste assoupli la sécurité pour y arriver. Tu ne sais pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une thèse complotiste. Je ne dis pas que ça n'est pas le cas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un complot. Pourquoi pas ? Hein, peut-être qu'on va découvrir qu'il y a eu un complot pour assouplir la sécurité, pour laisser faire un potentiel assassin de Trump. Mais en fait, la rigueur intellectuelle à laquelle nous devons nous astreindre doit nous interdire en fait d'évoquer ce genre de choses tant qu'on n'a pas d'éléments pour le corroborer. Voilà, comme le dit numéro bis, le journalisme ne se base pas sur des suppositions. Cette rigueur, elle est nécessaire. Parce qu'à imaginer tout ce qui est possible, tout est possible. Hein. Moi, personnellement, je pense que c'est un truc des extraterrestres. Voilà, je pense que c'est un truc des... Voilà. Je pense que... voilà. Enfin, je pense que le jeune homme était d'une autre planète. Bon, ça, c'est très personnel, par exemple. Mais voilà, je n'ai pas de preuves, donc je ne le dis pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la rigueur intellectuelle qui est la nôtre, qui est la vôtre, doit nous obliger à, en fait, d'imaginer des choses qu'à partir d'éléments factuels. Quoi. C'est ça que je veux dire. Sinon, ça part dans tous les sens. Tout est possible. Et quand tout est possible, eh ben, plus rien n'a de sens, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et même intellectuellement, pour vous, c'est un enfer. C'est-à-dire qu'à un moment, votre cerveau il va partir en sucette parce que vous avez imaginé des trucs de fou. Hein. Donc, bah, obligeons-nous à ne partir que des faits et rien que des faits. Attendons. Parfois, il faut juste attendre. Hein. Parfois, il faut attendre un jour, deux jours, trois jours, une semaine, deux mois. Et parfois, on ne sait pas. Il y a des enquêtes criminelles qui n'aboutissent jamais, quoi. Mais c'est même pour votre confort intellectuel. Enfin, je pense que c'est vraiment compliqué d'imaginer sans arrêt ce qui aurait pu se passer, quoi. Vous allez vous rendre fou, en fait. Hein. Voilà. Merci Funky Molly. Merci Jérôme 78. Merci Ivory 62. Merci Martin Martin qui en plus prend un sub. Voilà. Vous l'avez la chaîne de Martin, elle est en haut ? Il y a un train de hype qui arrive en plus. Nous sommes peut-être déjà fous. Oui, bah ça je sais, certains ont passé 11 heures avec moi en live hier, donc je confirme que certains sont déjà totalement barrés. Biden réduit au silence au pire moment. Est-ce qu'on peut faire une minute de silence pour Joe Biden ? Hein ? Salut Défécator. Voilà. Il faut suivre les live feeds des médias, comme par exemple le Washington Post, et on voit qu'ils vérifient les infos au fur et à mesure que leurs infos s'affinent. Merci Défécator. Est-ce qu'on peut avoir une minute de silence pour Joe Biden, quoi ? Et Joe Biden, quoi ? Mais Joe Biden, alors Noban dit il est mort, non mais il est mort politiquement, quoi. C'est-à-dire Joe Biden, dernier débat télévisé avec Trump, catastrophe, quoi. Putain, Joe qui est totalement à côté de ses pompes, quoi. Il est ailleurs, quoi. Voilà. Ensuite, il donne une interview télévisée qui est censée rattraper le débat télévisé. Pire. Voilà. Tout le camp démocrate. Il est vieux, dit Equiz. Bah, tu sais que je crois que Trump n'a que 3 ans de moins. C'est pas qu'une question d'âge. Trump a quasiment le même âge que Biden, ça il faut pas l'oublier. Je crois que Trump, vérifié, il n'a que 3 ans de moins que Biden. Ils sont vieux tous les deux. C'est juste que Biden, sa santé physique et mentale est. Voilà, 78 ans et 81 ans, je crois. C'est pas vieux 81 ans. Mon papa, il a. Hein, c'est... Mon papa, il a plus de 81 ans, je peux vous dire que par rapport à Biden, c'est un combattant de MMA, quoi. Il est en pleine forme. C'est pas qu'une question d'âge. Non, c'est pas qu'une question d'âge. Ah ben non. Moi, 81 ans, il y a Méchant Loup qui dit un peu quand même, non, moi, 80 ans, je vous prendrai tous 1v1 sur n'importe quoi. Je vous prendrai tous un par un, là. Vous êtes 5618, là. Je vous prends. À 81 ans, moi, je vous prends 1v1 tous, là, dans l'octogone. En course à pied, en mot croisé, en Elden Ring, voilà. C'est pas qu'une question d'âge. Voilà. Trump, il est âgé, mais il faut reconnaître qu'intellectuellement, bah, ça va, quoi. Hein ? C'est-à-dire, il est pas sénile, quoi. Donc, Biden, il est totalement hors course. L'intégralité du camp... Si, Valorant, je vous prends tous, un par un. En Scrabble, tout. À 81 ans.
Et l'intégralité du camp démocrate aujourd'hui demande qu'il se retire, hein, pour que le camp démocrate gagne, garde une chance de gagner. Parce que là, aujourd'hui, avant même la tentative d'assassinat, Trump était largement, enfin, était devant dans les sondages pour gagner la présidentielle. Bon, là, c'est fini. Finito. Hein, ouais. Au-delà du candidat, c'est le cœur du message démocrate qui se retrouve fragilisé, écrit le Parisien ce matin. Donald Trump est un danger pour la démocratie. Donald Trump, cet extrémiste qui nous divise. Vainqueur en 2020, Joe Biden, le rassembleur, comptait une nouvelle fois sur ce thème de campagne, hein, pour dénoncer le danger pour la démocratie que représente Trump. C'est extrémiste, hein, c'est des mots qu'il a utilisés. Voilà, donc il pensait utiliser un peu les mêmes thématiques pour le battre en novembre. L'élection présidentielle, c'est en novembre. Or, ce même rival se retrouve ciblé et échappe d'un cheveu à la mort. Les informations ont beau être maigres sur le tireur jeune d'une vingtaine d'années enregistré au Parti républicain, mais qui avait fait un don de $15 à une organisation démocrate, on l'a dit. Cela n'empêche pas les proches de Trump d'accuser la gauche d'avoir attisé la haine envers leur champion. Gigi Vance, qui est un potentiel colissier de Trump, dénonce que ce qui s'est passé aujourd'hui, samedi, n'est pas un incident isolé. L'axe central de la campagne de Biden repose sur la thèse d'un président Donald Trump fasciste et autoritaire qui doit être arrêté coûte que coûte. Ça, ce sont les accusations des républicains d'un cheveu, d'une oreille plutôt. Trinitals, bien joué. Donc, qu'est-ce qu'on dit du côté républicain ? L'axe central de la campagne de Biden repose sur la thèse d'un président Donald Trump fasciste et autoritaire qui doit être arrêté coûte que coûte. Cette rhétorique a directement mené à la tentative d'assassinat du président Trump. C'est-à-dire qu'en fait, dans le camp républicain, on va dire à Trump qui a utilisé des mots très durs contre... à Biden qui a utilisé des mots très durs contre Trump, hein, comme quoi il était un danger pour la démocratie, bah dans le camp républicain, on va avoir beau jeu de dire à Biden, c'est vous qui êtes à l'origine de ce climat. C'est vous qui êtes à l'origine de ce climat. Voilà. Biden qui n'a cessé de dénoncer la violence que Trump a mis en politique, aujourd'hui, ce sont les républicains qui vont dire à Biden, c'est vous qui avez créé ce climat de détestation, de haine contre Trump, et c'est vous qui avez, armé le bras du jeune homme. Quoi. Voilà, c'est ça les accusations qui vont être lancées. Hein ? Donc c'est pour ça que Biden est très fragilisé aujourd'hui, quoi. Au-delà de son état physique et intellectuel. Merci Deba51 pour le prime, merci Scandale Panama pour le deuxième mois, merci Padou Swan, merci encore Funky Mouli, qui est un joli pseudo. Voilà. Alors, ça n'enlève rien à l'extrémisme de Trump, hein, bien sûr, hein, par ailleurs. Mais c'est une pierre dans le camp démocrate, quoi. Comme on dit, les États-Unis ont 10 ans d'avance sur ce qui va se passer en France, ça promet Badir. Je ne sais pas si les États-Unis ont 10 ans d'avance sur ce qui se passe en France, mais en revanche, je trouve aussi qu'il y a une tension en France, une tension politique et une tension entre citoyens, qui n'est pas la même qu'aux États-Unis, mais qui n'est pas nourrie par les mêmes moteurs, mais qui va grandissant. Une violence qui va grandissant. C'est pas un peu la malhonnêteté intellectuelle de la récupération politique de dire ça, Darkfire ? Ah bah, je ne dis pas que ça n'est pas malhonnête. Je dis que c'est l'argument que les républicains vont utiliser. Hein ? Les tensions entre les gens, c'est parce que les gens ne se parlent pas. Les tensions entre les citoyens, c'est parce que les gens ne se parlent pas. On est tous les mêmes, dit Windraco, et je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que Twitch est intéressant. À condition que sur Twitch, on puisse se retrouver ensemble sur les mêmes chaînes, quelles que soient nos différences, nos sensibilités, faisant fi de nos différences et essayant de se parler malgré nos oppositions politiques et citoyennes. Moi, je trouve ça important. Voilà. Et pas se réfugier dans des positions morales très confortables, voilà, qui ne sont pas forcément fausses sur le fond, mais qui ne résout pas le problème de ces tensions au sein de notre pays. Merci Reband pour le prime. Salut Marcos. Et que la stratégie de certains partis, dit Florian, est de polariser les gens, ce qui est désastreux. Oui, tu as raison. On est
Une des raisons pour lesquelles notre société est si polarisée aujourd'hui, c'est notamment parce que nous avons des partis politiques, certains partis politiques, qui jouent cette carte à fond depuis des années. Oui, j'ai pris une douche. Oh, je sentais mauvais ce matin. Je sentais mauvais après mes 11 heures de dénoring. Je me suis douché, j'ai changé de t-shirt. Ça va mieux, quoi. On n'a lu que Le Parisien, on passe à Libération. Une très forte avec ce zoom sur le visage de Trump ensanglanté, là, avec ses traces de sang. History of Violence, c'est un très beau film, je ne sais pas si vous connaissez. Titre, Libération. Le point de bascule, hein, Libé qui estime aussi que dans cette campagne, il y a un point de bascule, là, avec cette tentative d'assassinat. Et l'édito de Dove Alphon, qui écrit de très bons éditos dans Libération. Je la trouve un peu hard, la une de Libé. Je vois ce que tu veux dire, Red Metal, mais en même temps, comment dire, ce qui s'est passé est extrêmement violent, en fait. Il y a eu mort. Il y a eu quelqu'un qui est mort derrière Trump, quoi. Il y a eu deux personnes grièvement blessées, quoi. Et donc, cette violence, il ne faut pas l'éluder non plus. C'est gravissime, ce qui s'est passé. Et je pense qu'il ne faut pas l'éluder, il faut montrer. Voilà. C'est l'image qui restera donc dans l'histoire écrite Dove Alphon ce matin, car si les faits concernant la tentative d'assassinat de Donald Trump samedi lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie sont loin d'être complètement établis, la prudence journalistique de rigueur, on en sait suffisamment, écrit Dove Alphon, pour craindre l'ouverture d'une séquence inédite de violence politique aux États-Unis. Les meetings de campagne de Trump ont souvent été marqués par la violence, c'est vrai, ou par la menace de violence, c'est vrai, mais dans le sens inverse. Des manifestants ont été agressés quelquefois avec les encouragements du candidat républicain. Et le cas de violence politique le plus grave de l'histoire récente des États-Unis est quand même le 6 janvier 2021, l'assaut contre le Capitole, hein, quand un rassemblement de Trump à Washington et qu'une foule est incitée par le président sortant à attaquer le Capitole. Ça, c'est Trump. Donc la violence politique dont Trump est aujourd'hui victime, il en est aussi une des sources. Hein, une des sources, comme le dit Adik Hart, ses militants ont quand même tenté un coup d'État. Oui. Dans la tentative d'assassinat de samedi, que le mobile de l'assaillant soit politique, hein, puisque c'est la question qu'on se pose tous, ou qu'il soit lié à des troubles mentaux, parce que c'en est aussi possible, la conséquence risque d'être la même, plonger l'Amérique dans une nouvelle ère de violence et de contre-violence politique. Le soutien d'Elon Musk à la candidature de Trump, publié moins d'une heure après l'attentat sur X, le réseau social que le milliardaire a acheté lorsqu'il s'appelait encore Twitter pour le transformer en machine de haine et de désinformation, Twitter avant Musk, c'était déjà un peu n'importe quoi, en termes de modération. Depuis, c'est... Je sais, quel mot pour qualifier Twitter aujourd'hui ? Jungle, c'est beaucoup trop faible. Poubelle, Far West, chaos, le zoo. Ouais. Chaos. Ouais, affligeant, désastre. Le Styx. Le souk, poubelle, ouais. L'anus de Satan, ouais, un peu aussi. Le PMU mondial, j'aime bien aussi. L'anus de Satan, c'est pas mal. Ouais. Parfois, c'est le degré zéro de la pensée, hein, ou moins 15 même. Sac à crotte, je valise aussi. Ouais. Donc, le soutien d'Elon Musk à la candidature de Trump publié moins d'une heure après l'attentat sur X, le réseau social que le milliardaire a acheté lorsqu'il s'appelait encore Twitter pour le transformer en machine de haine et désinformation, ne doit rien au hasard. Sous l'encouragement incessant du candidat républicain, les États-Unis vivent ces dernières années une sorte de guerre civile au ralenti caractérisée par des divisions croissantes et menée par les citoyens radicalisés se nourrissant d'une haine propagée par le chambre d'écho sur les réseaux sociaux. Alors, je relis cette phrase et oublions qu'on parle des États-Unis là. Imaginons qu'on parle de la France maintenant. Et je relis cette phrase. Imaginons que je change les États-Unis par la France. Et je dis, la France vit ces dernières années une sorte de guerre civile au ralenti, caractérisée par des divisions croissantes et menée par des citoyens radicalisés, se nourrissant d'une haine propagée par leur chambre d'écho sur les réseaux sociaux. Ça marche aussi, hein ? Ça marche aussi pour nous, hein ? Hein, on est d'accord ? Merde ! Eh ben ouais. Si, on est une société qui est en train de se polariser. Alors bon, nous, l'avantage, c'est qu'on n'est pas armé, quoi. Mais on est une société qui est en train de se polariser.
très fort. Et c'est un peu inquiétant. Voilà. Bon, la différence, c'est qu'on n'a pas tous des AR-15 à la maison. Voilà. On se fait américaniser, dit Joe Panda, se fait des pancakes. On se fait débiliser, moi, je dirais. Alors, on a des vandales, on a des fantômes, on a des shérifs, mais on n'a pas encore d'AR-15. Donc, pour l'instant, ça va. On a des R16 aussi, pour ceux qui ont la ref, qui aiment les voitures. Libération se penche aussi sur le profil du meurtrier, puisqu'il a tué une personne. Thomas Matthew Cooks, tireur aux motivations inconnues. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de ce jeune homme. On en parlait avec le Parisien tout à l'heure. Les informations restent parcellaires, rappelle Libération. Le 5 novembre, Thomas Matthew Cooks, 20 ans, le 5 novembre, aurait voté pour la première fois à la présidentielle américaine. Le jeune homme fin, aux lisses cheveux châtains qu'il portait mi-long sur un visage mangé par une grande paire de lunettes, était inscrit comme républicain sur la liste électorale. Même si on ne connaît pas la date de son inscription sur la liste, ni même s'il était vraiment républicain. Quelqu'un nous disait tout à l'heure, pour voter aux États-Unis, il faut d'abord s'inscrire sur les listes pour les primaires, et en fait, on ne s'inscrit pas forcément sur le parti pour qui on va voter. À 17 ans, il avait fait une donation de $15, par exemple, à Act Blue, qui était un comité d'action politique qui était à gauche. Voilà. Thomas Matthew Crooks ne votera pas. Il est mort, neutralisé, samedi, par les tirs des officiers de sécurité du Secret Service, quelques secondes après qu'il a tiré sur l'ancien président américain. Il a aussi tué un des spectateurs du meeting de cette réunion à Butler en Pennsylvanie. Deux autres personnes ont aussi été blessées. De Thomas Matthew Crooks, on en sait à peine plus aujourd'hui, si ce n'est qu'il n'avait pas de casier judiciaire, mais de ses goûts, de sa famille, ses intérêts, son milieu social ou de quoi que ce soit qui puisse expliquer son geste, rien n'avait encore filtré après une journée après sa mort. Il ne semblait pas être présent sur les réseaux sociaux, à moins que ceux-ci aient été effacés. Oui, après qu'il a tiré, Cyril, c'est agréable de voir un journaliste qui écrit français. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je suis en train de vous lire. Merci Reborn pour le prime. Merci Dava encore 51 pour le prime. Mais Samu, il faut dormir. Je dormirai quand je serai mort. Je suis très heureux d'être là. Alors, aujourd'hui, le camp démocrate, le camp Biden, est accusé par les républicains, par les trumpistes, en fait, d'être à l'origine, finalement, de ce qui vient de se passer. D'avoir créé, en tout cas, le cadre qui a permis ce qui s'est passé, quoi. Les partisans de l'ex-président accusent démocrates et libéraux d'avoir attisé le feu, d'être responsables de l'attaque, au moins moralement. Merci, Saul Blood, pour le prime. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'un simple incident isolé. Le postulat central de la campagne Biden est que le président Trump est un fasciste autoritaire qu'il faut arrêter à tout prix. Waouh. Merci Marcos pour les 10 abonnements offerts à la commu. Merci beaucoup Marcos, merci pour nous. Cette rhétorique a conduit directement à la tentative d'assassinat du président Trump, c'est ce qu'a écrit sur Twitter /X le sénateur Jed Evans de l'Ohio prétendant la vice-présidence de Trump. On l'a lu tout à l'heure. Chaque jour, dit ce monsieur à propos des démocrates, ils ont attisé le feu. Hein, qu'ils avaient créé pour que cela se produise, ils doivent être tenus pour responsables. Bon, ça, c'est l'avis de certains républicains. Merci Vincent pour les bits. Merci à Pauline R pour le prime. Un représentant de Fox News, une chaîne à droite, vous le savez, blâme quant à lui l'ambiance, la rhétorique dans laquelle a grandi le tireur. Bon, il n'y a même pas de conditionnel. Let's go, c'est parti. On appelle ça non pas une chaîne d'information, mais une chaîne d'opinion. Apprécié. Un présentateur de Fox News blâme l'ambiance, la rhétorique dans laquelle a grandi le tireur qui avait 20 ans, qui a vécu toute sa vie avec Donald Trump sur la scène politique. Naturellement, aucune mention de la violence verbale de leur candidat. Voilà.
Ouais, vous êtes plusieurs à me rapporter que cette photo avec une balle est un fake. C'est pas impossible, je ne sais pas. Defecator, tu t'es penché là-dessus ou pas? Vincent me dit non, c'est pas un fake. Defecator. Alors Defecator qui travaille sur ces sujets de fake news, non, ça n'est pas un fake. Il y a un article sur le New York Times. Ça n'est pas un fake, ok. Merci Defecator. Bon, si Defecator qui travaille sur ces sujets le confirme, c'est que c'est vraiment une vraie photo. Ça vient du New York Times. Merci French Guillaume. Merci Red Lincoln pour le Prime. Vous êtes trop fort. Il défèque sur les fakes, exactement. Defecator. Allez voir sa chaîne. D'ailleurs, on va l'épingler en haut de ce chat. Merci Kalachou62. Je suis en train d'ouvrir ton lien à Defecator, mais ça bug. Il y a peut-être trop de gens qui veulent consulter cette photo. Voilà, une photographie du New York Times qui raconte ces histoires. Voilà. Et je suis en train d'ouvrir le lien du New York Times que Defecator nous a envoyé, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de charger la page et je n'y arrive pas. Je vous tiens au courant. Une interview maintenant d'un historien, d'un spécialiste de l'histoire des États-Unis qui s'appelle Romain Huret dans Libération et qui dit Trump a très vite compris ce qu'il pouvait tirer de cette attaque. Directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste de l'histoire des États-Unis, donc Romain Huret estime que là on a vraiment un tournant dans la campagne présidentielle qui va permettre à l'ancien président de se poser maintenant en martyr, survivant d'une violence qu'il a pourtant lui-même attisée et galvanisé ses troupes face au camp démocrate. Question de Libération à l'historien. Cette tentative d'assassinat vous surprend-elle ou s'inscrit-elle dans un continuum de violence aux États-Unis? Les États-Unis, nous dit cet historien, sont entre paix et guerre depuis des décennies maintenant. Et toute la société est affectée. Alors il dit un truc intéressant de la société américaine que moi je ne connais pas forcément. Il dit, on compte environ 16 millions d'anciens combattants aux États-Unis, 2 millions de soldats actifs aux États-Unis. Si on ajoute les familles, si on ajoute le poids du complexe militaire, on mesure à quel point la société américaine est militarisée, dit ce chercheur. La violence politique en est le reflet évident. Alors lui, il trace un lien entre une présence très importante de l'armée dans la société et la violence de cette société. L'ennemisation, dit-il, est omniprésente. L'ennemisation. Vous devez choisir un camp désormais aux États-Unis contre des ennemis réels ou fantasmés. L'attaque contre le Capitole ou l'attentat de samedi sont des expressions de cette forte militarisation de la société, ce que l'historien George L. Moss nommait la brutalisation de notre société. Donald Trump joue pleinement cette carte de l'ennemisation, dit l'historien. Nous contre les autres, moi contre le reste du monde. Il excelle en la matière et porte la voix d'une Amérique inquiète de l'évolution du monde et de sa place dans la société. C'est marrant parce qu'on a des mots comme ça qui nous font quand même penser aussi à la situation politique en France. Je n'arrive pas à ouvrir cette photographie. Je pense qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui essayent d'afficher cette même image. Quelles vont, demande Libération, être les conséquences pour la campagne présidentielle? Réponse de l'historien. Trump a très vite compris tout ce qu'il pouvait tirer de l'attaque avec son poing levé, hein, vous avez vu l'image, il retourne les accusations de fascisme, de violence contre ses adversaires, posera désormais en martyr dans ce miracle. Hein. Les évangélistes liront la confirmation du caractère sacré de Trump, carrément, et de sa mission pour libérer le pays et le monde. C'est parti. Le corps blessé mais intact de Trump contraste avec les difficultés d'élocution et de mémoire de Biden. L'un a survécu à la mort, l'autre n'arrive pas à lui résister. Dans un pays aussi sensible à la force corporelle et à la performance, Trump a gagné quelque chose d'inestimable, estime cet historien. C'est intéressant, hein ?
question de libération, est-ce que cela peut quand même relancer le débat sur l'encadrement des armes, des ventes d'armes, des portes, du port d'armes aux États-Unis? Et il dit, je ne le crois pas. Au contraire, les partisans du port d'armes vont plaider pour la possibilité de riposter à ce type d'attaque. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une tuerie de masse, par exemple, une tuerie dans une école ou ailleurs aux États-Unis, vous savez que les partisans de la libre circulation des armes aux États-Unis, notamment le lobby de la NRA, répond « Ah non, c'est justement parce qu'il y a une tuerie qu'il faut qu'on s'arme. Hein, c'est le truc sans fin. C'est justement parce qu'il y a une tuerie qu'il faut qu'on puisse être armé pour intervenir en cas de tuerie. » Les mecs sont géniaux. Les mecs sont géniaux. Hein, on est d'accord que c'est quand même le pays au monde où il y a le plus de morts civiles par arme à feu, hein, chaque année. Hein. Et donc, en fait... Plus il y a de tueries et plus la NRA dit, bah, vous voyez, il faut absolument qu'on soit armé. Quoi. Hein, c'est incroyable. Voilà, c'est américain. Voilà. Merci Grinchaume pour le Prime. Merci beaucoup, Requiem Miko, ça me fait très plaisir ce que tu écris. Oh, j'ai un petit... Oh, y a un petit chat gris là, qui vient nous voir, qui est beau. Il me regarde avec ses grands yeux verts. Là. C'est un petit chat, il est pas vieux, c'est un petit chat sauvage. Il vient nous voir toujours, il est magnifique. Fun fact, me dit Isha Chouille, le pins de la NRA depuis quelques temps, c'est un AR-15. GG la NRA. GG les gars. Merci Farce News pour le cinquième mois. J'espère que la grasse mat était bonne. Il y a Sopana qui dit la NRA va dire que si les spectateurs qui avaient repéré le tireur avaient été armés, ils l'auraient neutralisé. Bah oui, bien sûr. C'est sûr. Ouais. Chicharito, protester et fustiger les armes aux États-Unis, c'est un truc très européen, non? Ouais, c'est vrai. Obama, le célèbre président européen, n'a cessé de dire qu'il fallait absolument réguler les armes aux États-Unis. Et puis là, il s'est retrouvé bloqué par le Congrès. Le célèbre président européen Obama. Voilà. Régulièrement, de nombreux parents européens qui ont vu leurs enfants tués dans des tueries de masse dans les écoles se mobilisent pour dénoncer ces morts aussi. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai, tout à fait. C'est très européen. Bien vu. Le Figaro maintenant. Alors, le Figaro, l'attentat qui peut faire basculer la présidentielle américaine, on est toujours sur la même analyse, et un édito de Patrick Saint-Paul. Intitulé Un gladiateur dans l'arène. Seule certitude, le chantre de l'America First arrivera lundi à la convention républicaine de Milwaukee, tel un gladiateur dans l'arène. Devant des supporters galvanisés, dans son camp, les derniers sceptiques se rallient à lui. Le paradoxe est là, depuis son entrée fracassante en politique et son élection à la Maison-Blanche en 2016, moi je me rappelle de quand Trump est arrivé dans le paysage politique américain, les gens riaient. Les gens riaient. Hein ? Les journalistes aux États-Unis, les journalistes en Europe se riaient. Il y avait un célèbre journal américain qui refusait de parler de Trump dans les pages politiques. Quand Trump s'est lancé en politique, il y avait un célèbre journal américain, assez haut niveau, quoi, qui refusait de parler de Trump dans les pages politiques. C'était en divertissement. C'était en divertissement. Voilà. Et le mec, il est sur le point d'être élu à nouveau, quoi. Voilà, donc c'était en 2016. Depuis son entrée fracassante en politique et son élection à la Maison-Blanche en 2016, Donald Trump attise les tensions politiques d'une Amérique retranchée
aujourd'hui en deux camps irréconciliables. Rejetant sa défaite en 2020, parce que Trump n'a quand même jamais reconnu sa défaite. Il a toujours dit qu'on lui avait volé sa défaite. Celui qui était censé être le garant de la Constitution a incité des hordes de supporters à donner l'assaut sur le Capitole pour tenter d'inverser le résultat de l'élection. C'est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Aucun président de l'histoire des États-Unis a incité ses militants à refuser le résultat d'une élection. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. C'est Trump. Et là, a priori, il va revenir au pouvoir. Voilà. Joe Biden avait promis de réparer le pays, rappelle le Figaro. Bon, il n'a pas réussi. Hein ? Merci beaucoup, Baba 2703 et Lydia, pour ton message. Biden, en dépit d'un bilan économique flatteur, écrit le Figaro, de la sagesse qu'il incarne sur le plan intérieur et en politique internationale, est physiquement à bout de souffle. Les démocrates doutent de ses capacités à aller au bout d'un second mandat, je vous l'ai dit souvent. Après le choc de ce week-end, le contraste avec Trump est plus saisissant que jamais. L'un décline, tandis que l'autre se relève. Ouais. Ouais. Merci Farce News. Remercie Farce News, pardon. Qu'on lui a volé l'élection, pardon. Laetitia a raison. Ouais. Le Figaro, qui est intéressant ce matin aussi, qui dit que Trump, aujourd'hui, il est à la fois victime de la violence politique, il est à la fois adepte de la violence politique. Ouais. Ses adversaires voudraient voir en Trump un personnage maléfique, mettant en danger la démocratie américaine jusque dans ses fondements. Mais le voilà soudain transformé par l'épisode qui vient de se dérouler en gladiateur sans peur, capable de survivre à toutes les épreuves. En même temps, comment ne pas voir que cette irruption de la violence en politique, dont l'attaque du 6 janvier contre le Capitole avait déjà été une manifestation effrayante, est l'aboutissement d'un processus de division et de radicalisation dans lequel Trump a aussi une très large part de responsabilité. Vous avez quand même... Ah, il y a Malo qui arrive pour son quiz Pokémon, là, je le vois. Je le vois, il court. Il est 11h15. Oh, pile. Malo est passé tout à l'heure. Malo, c'est mon grand, il a... Malo, tu vas avoir 8 ans en fin août, là. Oui. Tu vas avoir bientôt 8 ans. Eh bien, Malo, il est venu tout à l'heure pour faire un quiz Pokémon. Et je lui ai dit, bah non, c'est le début de la revue de presse. Je lui ai dit, viens plus tard. Il m'a dit, quelle heure? Il m'a dit, plus tard, ça ne veut rien dire, tu m'as dit. Hein, j'ai dit, 11h15. Il est 11h15. Pile. Je donne le casque micro à mon petit garçon d'amour. Et je mets bonjour à tous du quiz Pokémon. Mon grand Malo. Le plus gentil des petits garçons. Voilà. La meilleure chronique Pokémon de France. Tout le monde te dit Malo, t'as vu? Bonjour Malo, salut chef. Bonjour Malo, je rappelle que tous les subs pendant la chronique de Malo sont pour Malo. AG Killer, merci pour le soutien. C'est pour Malo, c'est pour l'argent de poche de Malo. Voilà. Voilà. Je me rappelle qu'à ce jour, Malo a collecté 1,5 million d'euros sur Twitch grâce à sa chronique Pokémon. Ouais. Donc, n'hésitez pas à lâcher vos subs. Alors Malo, quelle est ta première question aujourd'hui? Ah, je réfléchis. Prends ton temps. Comme ça, moi, je fais une petite sieste. Merci Sugar Floran. Et hop, c'est parti. Un abonnement pour Malo. Merci Légendaire Lilith. C'est pour Malo. Alors, je vais essayer d'en trouver une diable, mais là, j'en ai pas. Merci Poulidor. C'est pour Malo. Il fait mine de réfléchir pour que vous donniez des subs. Il est malin. Merci Echo Padman. Merci Aonist. Merci Appelle-moi Rémi. Merci La Mandalorienne. Merci Friskatosaur. Trouvé. Merci Magicien 607. Trouvé. Train de la hype. Merci El Bout de Bois. Merci Moulbit. Trouvé. Merde. Vas-y Malo, première question. Merci Plem 44. Voilà. Il fait plus de subs que moi. Shadow 57, merci pour le Prime. Enfin, tain, vous. En fait, vous lâchez pas vos subs pour le papa? Mais vous lâchez vos subs pour Malo, quoi. Marcos, 10 abonnements, Malo. Ouais. Alors, pour le père, il n'y a rien. C'est que pour Malo. Allez, vas-y, Malo, première question. La première question, je l'ai. Touche pas ton micro, mon chouchou. Comment sont surnommés les deux Pokémon légendaire de
Sino. De Sinnoh. Comment sont nommés les deux Pokémon légendaires de Sinnoh? Voilà. Technecos, merci pour l'abonnement. Aonist, 5 abonnements pour Malo, c'est la fête. Yes. Diaga et Palkia. J'ai Diaga et Palkia. J'ai Jean et Castex. Jean et Castex. Ouais. J'ai beaucoup Palkia et Dialga. Oh là. J'ai les. Non, Lugia et Oho, c'est là. C'est pas Lugia et Oho. Non. Lugia, Oho, non. 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 Pitoyable, non. Non. De cause, merci beaucoup pour le soutien, c'est pour Malo. Ouais, il y a beaucoup de Diaga et Palkia. Merci Vlo Vlo pour le Prime. Vous êtes incroyable. Merci Anonyme 31. Let's non, go. Pas Draco Feu et Colossal. Malo, t'as plus de subs que papa. Non, mais moi j'ai stream. Quoi j'ai streamé 11h hier, t'as plus de subs que moi, quoi. Oh. C'est ouf ça. Voilà. Bon, Eric et Ramzy. Chevalier et Las Palès. Alors. Hidalgo et Pitoyable. Alors c'est. Dialga et Palkia. Qu'est-ce qu'on dit à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse? Ils sont bien. Vous êtes des... Bah... Champions? Non, pas champions. Non. Ah bon. Elle, c'est pas trop dur, celle-là. Tu peux pas toucher le micro, Malo. Un vrai streamer, ça touche pas son micro. Enlève-moi cette main-là. Il faut que tu prennes l'habitude de pas toucher au micro. Je réfléchis à une question nullos. Alors maintenant, une question nullos. C'est-à-dire que, je rappelle le principe de la question nullos. Tous ceux qui n'ont pas la bonne réponse, donne-moi ta main. Tous ceux qui ne trouvent pas la réponse, vous êtes des... Nullos. Nullos. C'est parti. Ah, voilà, j'en ai une. Ah, combien de bras à Macogneur? Combien de bras à Macogneur? Attention, ceux qui n'ont pas la réponse, vous des êtes des... Nullos. Bah, là, je vois déjà des nullos. 4, 6, 8, 49, 3... 49,3 c'est un nullos. Oui, c'est un nullos. Bien sûr. Et 17, c'est un nullos. 4000. Oh, 4000 nullos. Il n'y en a pas. Pas de bras, pas de chocolat. Let's go. 175. La réponse est oui. Oh, celui qui a fait, là, c'est qui a fait là 1 après plein de zéros. Ah, on va le chercher, je vais te dire moi. Lui là, oui. C'est Légio Jean-Simon. Légio Jean-Simon, nullos. Nullos, Jean-Simon, nullos. 1 million. Oh, nullos. Mao, Ken Mao, Ken Mao, nullos. Mecha Neptune, merci pour l'abonnement offert à la commu. Donc les gens qui disent 4, ils ont raison ou pas? Oui. Alors c'est pas des nullos, on va dire que c'est des quoi? C'est des... C'est, ils sont normales puisque c'est une question nullos. Normaux. Normaux. Normaux, pluriel. Normaux. Alors, ceux qu'on trouvait, vous êtes normaux, d'accord, ok. Les autres, vous êtes des... Nullos. Ah, Oreo Casoulet, merci pour. Oh, Malo, t'as 1 milliard d'abonnements, c'est pas possible. Invited guest, encore un abonnement. Oh là là. Donc, ceux qui ont la bonne réponse, vous êtes des gens normaux. Hein. Normal ou normaux? Normaux. Normaux, bien sûr. Et les autres, vous êtes des. Nullos. Nullos. Allez, troisième question. Dure, la dure. Donc, en fait, moi, je fais tout le temps. Maintenant, je vais faire tout le temps nullos. Non, d'abord. Moyenne. Et après, dur. Donc on a fait moyenne, là on fait nullos. Et attention, la question dure maintenant. La question dure. Attention, c'est parti, concentrez-vous. Est-ce que vous voulez en face une hyper dure? Est-ce que vous voulez une super dure? Une hyper dure. Une hyper dure. Que je pense que aucun, que genre juste que 5 auront la réponse. Oh, attention, attention, attention. Ah, il y a des oui, il y a des oui, il y a des oui, il y a des oui. Alors, attention. J'essaie d'en prendre une très très dure. Attention, hein, ça va être dur parce que Malo il réfléchit là. Il y a de la fumée qui sort de la tête de Malo. Malo, il y a de la fumée qui sort de ta tête. Tellement tu réfléchis fort. Donc là, ça peut être un vrai ou faux cette. Donc, bah non, c'est facile. Il faut une très dure. C'est pas, ça peut pas être un vrai ou faux. Ah, il fait lui-même les questions, il les improvise même, Romain. Oh, j'en ai une. Oh. Combien de Pokémon existe-t-il? Combien de Pokémon existe-t-il? Virioxx, encore un prime. Merci beaucoup. Oh. Attention. 842. Non. 1083. 1008. Non. 1000. Non. 1025. Non. 3. Non, il n'y en a aucun. 49,3. Ah, il y en a un qui a dit bon. Qui? Je ne dis pas, sinon c'est de la triche. Dis-moi, Laurie, dis-moi, Laurie. Attends. Le train de l'arrivée pas démarré. Ah oui, il y en a plusieurs qui l'ont. Hein.
Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui l'ont. Hein. Il y en a plusieurs. Il y en a plus que 5. Hein. Ils sont forts. Hein, ils sont forts. Hein. On dit la bonne réponse, Malo ? Oui. Tous les gens qui ont dit 1008. Bravo ! Vous êtes des... Champions. Et les autres, ce sont des... Pas des nulos. Parce que c'est pas une question de nulos. Bah oui. Eh, t'es bien concentré. Hein. Bon, Malo, c'était une super chronique. Pokémon. Et maintenant, j'en ai combien ? J'en ai... Des subs ? Oui. Alors, je sais pas, je crois qu'en trois jours, t'as dû faire... pas loin de 90 subs, mon chouchou. 90 subs. Ouais. Et en tout, j'en ai combien des subs ? Beaucoup. Donc, je pense 1,6 million. C'est moi qui gère ta fortune. Oui. Je m'occupe de tout, t'inquiète. Oui. Je m'occupe de tout, t'inquiète. Au revoir au chat. Et merci pour les subs. Tu me fais un bisou ? Tu me fais un câlin ? Allez, Nulos ! C'est un super chroniqueur. C'est un super chroniqueur. Hein ? Ah, c'est un message épinglé, c'est parce que ça fait rire les gens. Merci Malo, je t'aime. À tout à l'heure, mon cœur. Tu coupes pas le câble. Hein. En 3 quiz, en 3 jours, j'arrive à 90 subs. 90 subs en 3 quiz. Ouais. Ça me dégoûte en fait. J'en peux plus. Ah, Malo, il arrive ici, il fait des chroniques qui durent chrono 3 minutes quoi. Hein ? Il fait plus de subs que moi sur un stream 3-4 heures quoi. Voilà. C'est... Je suis deg. Ouais. Voilà, j'ai un petit fichier Word où je lui mets chaque jour, chaque fois qu'il fait une chronique, voilà, les subs. Voilà, c'est pour financer ses études. Voilà. Voilà. Si un jour vous voyez que Malo fait des super études de fou, vous saurez que c'est grâce à vous en fait. Voilà. Parce que moi je dépense tout au bar le soir. Je paye des tournées à tous les copains. Voilà. Donc si après son bac, s'il a un petit budget pour faire des études supérieures, ce sera grâce à vous. Hein. Ce sera grâce à vous. Ouais. Moi je crame tout en bibine. Ou en skin. Ou en skin aussi. C'est plutôt en skin en vrai. Ou en bobinouze. Ouais. Ah bah là je vais pouvoir acheter des skins bien sûr avec bobinouze là. Merci Thomas Adroit. Ça va Truel, ça va ? Vous avez le nom exact de Bobby là, qui nous a promis 1000 euros là ? Bobby, c'était Bobby, B-O-B-B-Y, et après ? Il y avait underscore, non ? Bobby, underscore, nous ? On va aller voir si on a des nouvelles, les gars, on va rire. Attends, c'est quoi le underscore ? Et le grand trait là ? Voilà, nous. Avec un Z ? Alors, attends, je vais voir s'il a parlé. Ah, je l'ai. 34 messages. 1h45. Alors j'ai cut à 5h. Le dernier message de... Le mec, il est un peu aigri. Le dernier message de Bobby News à 1h46, boomer. Boomer. Et il me parle à moi, boomer. C'est amical, hein. Vous savez comment il écrit boomer, par contre ? B-O-U-M-E, accent grave, R-E. Parce qu'en fait, on le prononce très mal. On dit tous boomer. En fait, c'est boomer. C'est boomer. B-O-U-M-E, accent grave, R-E. 1h45, une minute avant. Alors on stagne ? J'étais en train de me battre avec ma manette qui ne marchait pas. Là. Alors on stagne ? 1h45. 1h45. 1h57. Le mec est vraiment pas gentil. T'abandonneras quand t'auras tes enfants qui vont te réveiller à 8h du mat après t'être couché à 7h sans succès. Gros. Gros. Voilà. 1h55. Bientôt le cassage d'écran. Voilà. 1h52. Allez Samuel, tu y es presque. Non, je déconne. L'espoir fait vivre en tout cas, c'est beau. 23h21. Allez, adios, ce sera pas pour ce soir en tout cas. Ouais. Il m'avait donné 15 jours. Hein. Mais il m'a dit, si tu le fais en moins de 15 jours, je te donne 1000 balles. Voilà. Voilà. Alors, il nous a quitté à 23h17 comme un prince. Hein. 23h17. Tain, c'est dommage. Il y a un live d'Amourante qui commence. Vous aurez qu'à m'envoyer le replay dans 2 mois et l'antidater. Ça, là, il nous a fait plaisir. Voilà. Alors, voilà. Fait péter le rib. Donc, il a vraiment relevé le pari. Alors, et le message originel qu'on a relevé, c'est je mise sur 2 semaines à 10 heures par jour sur le même boss. Et là, je lui ai dit, ok, que de la gueule, Bobby News,
1000 euros. Et il a relevé le pari. Et donc, il nous doit 1000 balles. Ouais. Voilà. Donc, on attend. Par contre, on n'a pas de nouvelles depuis hier soir. Hein ? Et quelque chose me dit que je n'aurai pas les 1000 balles, mais je pense qu'il va, il va parvenir tout de suite sur la chaîne. Hein ? Je pense qu'il ne viendra plus. Voilà. Ou il y a Arwen C qui a dit qu'il a vu Bobby dans les rues de Malte ce matin. Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'on s'en est débarrassé. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'il avait pas mal d'humour. Ou alors il reviendra avec un autre pseudo, quoi. Tu vois, un autre compte. Voilà. Mais on parlera régulièrement de lui quand même pour le rendre hommage. Voilà. RIP Bobby News, qui ne se sert plus de son compte. Merci Thomas Ladroit pour le Prime. Bah, c'est pour Malou, let's go. On en est où, nous ? La Croix dénonce également POUM, le fléau de la violence politique à propos de ce qui s'est passé autour de Trump. Et Séverin Husson, dans son édito, écrit ceci. Cette tentative d'assassinat souligne combien la démocratie américaine est malade. Malade de ses armes à feu, dont près de 400 millions d'unités circulent dans le pays sans qu'aucune loi ne soit prise pour y mettre un terme. Il y a 400 millions d'armes qui circulent aux États-Unis. Merci, petits oies. Merci beaucoup. Elles sont, ces armes, depuis 2020, devenues la première cause, écoutez, première cause de décès chez les enfants et les adolescents. Quelqu'un dans le chat qui me disait parler des armes aux États-Unis, c'est un peu une critique européenne, ça. C'est un peu une. Hein. Les armes à feu sont devenues, depuis 2020, la première cause de décès aux États-Unis chez les enfants et chez les adolescents. Les armes à feu sont devenues depuis 4 ans la première cause de décès aux États-Unis chez les enfants et chez les adolescents. Et un Américain sur 5 a désormais un membre de sa famille qui en est mort. Malade de sa violence aussi, physique et verbale, à l'encontre des responsables politiques, le phénomène n'est pas nouveau. 4 présidents ont été assassinés au cours de leur mandat, dont Abraham Lincoln, tué en 1865, et bien sûr John Fitzgerald Kennedy. D'autres ont eu à subir des torrents d'injures, comme Nixon, comme Obama. Mais cette fois, le retour de Trump dans la course à la Maison-Blanche, son populisme, ses outrances, ses contre les institutions du pays, fragilise la nation en profondeur. La démocratie américaine et ses électeurs méritent mieux que cela, estime ce matin le journal La Croix. Et pourquoi les démocrates ne mettent jamais le problème sur le tapis pendant leur mandat ? Ils sont pour aussi, Flying Monkey. Tous les présidents démocrates, ces derniers présidents démocrates, ont essayé de changer la loi. Voilà. Sauf que ce ne sont pas les présidents qui décident de la loi, mais c'est le Congrès. Le Congrès où il y a une Chambre des représentants et il y a un Sénat. Voilà. Et ces élus sont suffisamment nombreux pour bloquer cette loi. Voilà. Il n'y a pas de majorité au Congrès pour encadrer les armes aux États-Unis, voilà, notamment en raison de la puissance des lobbies, et notamment de la NRA. Voilà, ça c'est un truc qui est documenté depuis toujours. Voilà. Exactement. C'est comme ça. Voilà pour cette énorme page Trump, puisqu'on en a parlé quand même pendant 2 heures, mais je pense que c'était mérité. La NRA, c'est la National Rifle Association, exactement, Globzoul. Donc, nuit blanche, parce que fin de stream à 5h sur Elden Ring, mais je ne pouvais pas imaginer ne pas vous proposer de revue de presse ce matin, c'est impossible. Au vu de l'actualité, faire un petit point sur la politique en France et surtout ne pas parler de Trump, c'était insane. Donc, voilà, on a pris sur soi, on a pris un petit café et on l'a fait. Et c'est pas terminé, on va évidemment se pencher aussi sur les situations politiques en France, semaine à haut risque en Macronie. Oui, je l'ai pété la sentinelle, je l'ai pété Rocco Siffredi Mercury, je lui ai pété la tête. 11 heures de live, 5 heures sur le même boss, je lui ai pété le cul. Voilà.
Hein, je lui ai éclaté la gueule. Voilà. Alors, la politique en France se mène à haut risque en Macronie, alors qu'on ignore encore qui sera Premier ministre. Bon, on est toujours au même point. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Les députés vont élire leur président, le président de l'Assemblée, là, jeudi. Hein, un vote observé de près par l'Élysée qui espère voir se dessiner une majorité différente de celle du NFP. Emmanuel Macron avait laissé des ténors de la majorité avec des devoirs. Comment parvenir à former une coalition pour le week-end? Macron a dit aux responsables de la majorité avant le week-end, je vous donne des devoirs, il faut que vous formiez une coalition. Le chef de l'État avait convié ses troupes pour une nouvelle réunion de travail à l'Élysée, chacun étant prié d'avoir des idées. C'est génial. Macron a demandé à... comment s'appelait la Première Ministre? Merde. Ça sent la nuit blanche. Borne. De trouver une majorité introuvable, hein, en allant notamment débaucher des gens de droite, impossible. Macron a demandé à Gabriel Attal de trouver une majorité, notamment avec des députés de droite, impossible. Et là, Macron dissout, il a encore moins de députés qu'avant, parce que c'était la pire dissolution au pire moment, et il demande aux gars de la majorité, bon maintenant les gars, vous allez me trouver une majorité. Mais non, mais c'est... En fait, c'est pas possible, parce qu'en fait... on n'y arrivait pas déjà avant qu'on était plus. C'est génial, hein? C'est génial. C'est incroyable. Donc il leur a quand même demandé de le faire. Voilà. Et allez les gars, allez trouver quand même un peu une majorité là. Hein? Lundi, Gabriel Attal, donc c'est aujourd'hui, qui vient d'être élu président des députés Renaissance, va animer sa première réunion de groupe en visioconférence. Voilà. Mardi sera aussi une journée importante pour l'exécutif, puisque Emmanuel Macron devrait, a priori, accepter Regalson, on a vu ton message, je pense que le chat va t'aider. Emmanuel Macron devrait accepter la démission, ça c'est important, mardi demain, Macron devrait accepter la démission du gouvernement Attal. Les 17 ministres qui ont par ailleurs été élus députés n'auront plus qu'à expédier les affaires courantes de leurs ministères respectifs. Un gouvernement démissionnaire ne s'en va pas là, en l'occurrence. Hein. C'est-à-dire qu'a priori, si je comprends bien, Macron va accepter la démission du gouvernement Attal qui a été présenté, mais il va leur demander de rester en place. Donc c'est un gouvernement qui ne sera plus en place, mais qui sera en place. C'est un gouvernement démissionnaire à qui le président Macron va demander de rester pour expédier ce qu'on appelle les affaires courantes. Hein. D'accord ? Alors là, vous allez me dire... Oui, mais dans ce cas-là, l'Assemblée peut se mettre en colère. L'Assemblée peut voter une motion de censure contre un gouvernement démissionnaire. Non, c'est incroyable. L'Assemblée ne peut pas voter de motion de censure contre un gouvernement démissionnaire. Ce gouvernement ne peut pas être viré. Et vous allez me dire, bah, attendez, Sam. Attendez, dans ce cas-là, c'est encadré. C'est-à-dire que la Constitution donne une limite de temps. Tu ne peux pas garder comme ça un gouvernement démissionnaire indéfiniment. Si la Constitution ne donne pas de limite de temps. Quoi ? Le gouvernement peut accepter la démission d'un gouvernement, le laisser aux manettes, il ne peut plus être déposé par une motion de censure et ça peut durer autant de temps qu'on veut ? Oui, la Constitution n'a pas prévu ce cas. Ok, merci Lapin des Ténèbres, merci Chicken Powa. Voilà, alors évidemment, la pression, si Macron jouait à ce jeu-là, laisser le gouvernement de Gabriel Attal aux manettes, voilà, incensurable, un motion de censurable pendant un an ou deux ans, évidemment, il y aurait une pression politique de fou, quoi. Il est inimaginable qu'il le fasse. Mais la Constitution ne l'interdit pas, tout simplement parce que c'était dans l'esprit des gens qui ont pensé la 5e, c'était juste impossible, cette situation qu'on voit là. Voilà. Comme le dit Giraud, il n'y a jamais eu de cas, c'est une grande première. Bah oui, parce qu'il n'y a jamais eu une assemblée qui est aussi divisée, tout simplement. Voilà. Démissionner, les ministres vont pouvoir exercer leur mandat d'élu comme n'importe quel député. Ah oui, en plus, ils seront à l'Assemblée, les ministres. Et en plus, les ministres sont à l'Assemblée. Ouais. Voilà. Et pouvoir participer au vote pour la présidence de l'Assemblée ce jeudi. Bah oui, parce que comme ils ne sont pas vraiment ministres, en fait, ils ont le droit d'être députés. Ok. Ok. À ce stade, la persistance des trois blocs rend l'issue du scrutin un peu lisible, mais il sera observé de près.
on parle de la présidence de l'Assemblée qui va avoir lieu jeudi, la sensibilité du président ou de la présidente de l'Assemblée va donner des indications sur la force qui arrive le mieux à s'organiser actuellement à l'Assemblée. Est-ce que c'est le camp de la Macronie? Est-ce que c'est la gauche qui a du mal à s'entendre? Vous le savez, on va en parler tout de suite. Ou est-ce que c'est, pourquoi pas, l'extrême droite? Peut-être qu'on aura un président ou une présidente RN à l'Assemblée. La gauche, parlons-en, dans le Parisien, la gauche qui bute encore, qui n'arrive pas à s'entendre sur le choix d'un ou d'une première ministre, faute de consensus au sein du nouveau Front populaire. Huguette Bello, c'est cette dame ici, hein, présidente du Conseil régional de la Réunion, a décliné dimanche l'éventualité de devenir première ministre. Donc la gauche aurait pu s'entendre sur Huguette Bello, mais ça n'a pas été le cas. Les socialistes ont dit non, c'est pas possible. Nasséox, merci encore. Pierre Maurer écrit dans le Parisien. Pour présenter un candidat à Matignon, le nouveau Front populaire se livre à un festival du film sans fin. Après l'épisode Clémence Guettet, réalisé par LFI, le long métrage Olivier Faure, produit par le PS, et la saga Huguette Bello, mise en lumière par le PCF, parce que Huguette Bello est une ancienne communiste, mais qui était assez proche de LFI. Le cartel des gauches conclut sa semaine sans palme d'or pour Matignon. 8 jours après le second tour des législatives, la gauche n'a aucune tête d'affiche à proposer à Emmanuel Macron pour tenter de remplacer Gabriel Attal. Dimanche, la présidente du Conseil régional de la Réunion, donc Huguette Bello, moi je ne connaissais pas cette dame, je la découvre, a jeté l'éponge face au refus du PS de soutenir son nom. Voilà. Les uns et les autres se renvoient la balle, la responsabilité de l'échec au cours des négociations. Voilà. Un des négociateurs explique qu'il faut que 3 forces soient d'accord entre elles pour faire plier la quatrième. Voilà. Là, c'est le Parisien. C'est pas tout. On va lire un article de Libération sur le même sujet. On peut avoir les raisons du refus du PS? Ouais, Flying Monkey, on les a dans l'IB, justement. Merci pour le info souhait. Gauche, blocage ou désespoir, titre Libération ce lundi matin. Ils avaient tous promis un nom pour Matignon d'ici la fin de semaine, c'est-à-dire en fin de semaine dernière, on devait avoir un nom pour Matignon, la gauche nous avait promis un nom pour Matignon. Mais le nouveau Front populaire ne s'est toujours pas entendu sur une personnalité à proposer à l'Élysée au président Macron. Samedi, à l'issue d'un Conseil national, le Parti socialiste a repoussé la proposition, donc avancée par le PCF et LFI, de s'entendre sur Huguette Bello, la présidente du Conseil régional de la Réunion, encartée dans aucun des 4 partis de la NFP, cette ancienne députée de 73 ans, avait l'avantage de faire consensus entre les communistes, dont elle est issue, c'est une ancienne communiste, ouais, et les insoumis, dont elle s'est rapprochée depuis son soutien à Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle de 2022. Elle était communisto-compatible et mélenchono-compatible. Elle est fille-compatible, voilà. Mais cette proposition d'Huguette Bello, a affirmé Olivier Faure, le premier secrétaire du PS au Parisien, ne fait consensus ni chez les socialistes, ni chez les écologistes, dit-il. Le PS vient une nouvelle fois de tout bloquer, martèle le communiqué de Manuel Bompard, de LFI, et voilà comment en une semaine, la gauche a transformé l'or d'une victoire inattendue aux législatives en plomb, le plomb des divisions, avec le spectre d'une nouvelle implosion aussi rapide que la constitution de l'Union après la dissolution prononcée par Emmanuel Macron. Voilà, la gauche a du mal à s'entendre après cette victoire aux législatives. Olivier Faure fixe désormais une nouvelle date butoir pour trouver un candidat, une candidate pour Matignon. Ce sera le 18 juillet. 18 juillet, on est le 15, mardi, c'est quoi, jeudi, date de l'élection du président, de la présidente de l'Assemblée. Voilà, comme ça vous savez tout. Commentaire sur cette histoire? Et après on passe au Figaro qui a peur que les gens qui ont des sous quittent la France. Narmo dit les écologistes, c'est pas tout à fait vrai. Marine Tondelier a dit sur France Inter que sa candidature intéressait beaucoup LV, mais qu'il n'avait pas encore tranché quand le PS a dit non. Ouais, j'ai l'impression que c'est assez juste ce que tu dis. C'est mon amoureuse qui vient me voir. La plus belle femme du monde. Oui, ma puce. Attention, la caméra est allumée. J'ai pas de scène d'alerte Hélène encore. Ouais, mais le graphiste m'a dit que c'était impossible de dessiner quelqu'un d'aussi beau que toi. Ah ouais, trop bien. Où ça? Pour un dîner? Oui.
Arthur, Anna et Alice et donc Emmanuel et Vincent, parce que Thierry n'est pas là. Ah ouais, trop bien, avec grand plaisir. Ouais. Barbuck, la teuf. Barbuck ce soir. Oh, bah là, plus longtemps, quart d'heure. Midi, quoi. Barbuck. Quoi, vous voulez des chipots? Bon, je vous donne l'adresse. Ok, je vous mets l'adresse. Allez, je vous invite tous, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, je vous invite tous, vous êtes combien? Faut que je passe chez Leclerc acheter de la chipo. Vous êtes combien? Tout le monde veut des chipots? Tout le monde veut des chipots? Merci Mélissa pour les bits. Merci Konix. Merci Maker911. Vous êtes combien? Ça, ouais, vous êtes presque 6000. Chipo merguez? Végétarien? Halal? Oh là là, aux herbes? Pff, attendez. Bon, je reprendrai le. Bah, mettez, je reprendrai le chat après. Ok, je vous mets l'adresse. Voilà, donc ça c'est mon adresse en Corse. Voilà. Donc je vous attends. On dit 19h30? Voilà. Hop, je l'ai épinglé. On dit 19h30, d'accord? Vous venez avec des boissons par contre? Ok, je m'occupe du barbuck. Ok? Allez. Donc, alors j'ai vu, hein, y a du vegan, il y a de la chipo, il y a la. Voilà. Donc ça, c'est mon adresse, n'hésitez pas. Hein. Alors, il y aura des messieurs en bleu à l'entrée. Vous dites que vous êtes des amis de Manu. Vous dites que vous êtes des amis de Manu, que vous venez pour le barbuck. Voilà. Ok, n'hésitez pas. Voilà. À ce soir, les amis. Ça va être super. Et Bobby amène la bilouse. Exactement. Tu seras fiché, toi. On dirait que tu es bourré. Ah, ok. Les mots, tu as gagné un petit historique. Tu n'as que 28 messages. T'es gentil pourtant. Ah, bah, tu n'es pas habitué à mon dark, moi. C'est pour ça. Ok. C'est parce que tu n'es pas un ancien, tu es un nouveau. Ok. Reste, tu verras, tu vas t'habituer. Je ne bois pas, en fait, je ne bois plus depuis longtemps. Par contre, j'ai des conneries, ça c'est sûr. Robin Samuel, c'est Twitch qui t'a rendu troll ou tu l'étais avant? Je l'étais avant, mais je pouvais pas exprimer cette trollitude avant. Parce qu'à la télé, ils ne voulaient pas. Voilà. Allez, là on va se régaler avec le Figaro. Le Figaro qui dit, les gars, on va, tous les riches, ils vont partir, quoi. Tous les riches, ils vont partir, c'est une catastrophe. Là, je vois ça en une ce matin dans le Figaro. Voilà. Ces Français poussés à l'exil par l'arsenal fiscal du nouveau Front populaire. Tranche d'impôt sur le revenu, 90%. Retour de l'ISF, flambée des droits de succession. Hein. La perspective d'un gouvernement du nouveau Front populaire n'inquiète pas seulement les grandes fortunes, mais aussi nombre d'entrepreneurs et de cadres supérieurs. Lesquels sont tentés de fuir en Europe aux États-Unis. Moi, je lis ce titre ce matin, je vais. Ces Français poussés à l'exil par l'arsenal fiscal du nouveau Front populaire, je me dis, what, le Figaro va m'expliquer qu'en fait, il y a des milliers de Français qui sont en train de partir. Alors en fait, non, rassurez-vous, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Tranche d'impôt à 90% sur le revenu, bon, ça, c'est vrai que c'est une partie du programme LFI repris a priori dans le programme NFP. Retour de l'ISF, idem, flambée des droits de succession. L'arsenal fiscal brandi par le nouveau Front populaire accélère les préparatifs de départ et pas seulement chez les plus riches. Bon, vous allez voir que l'article est beaucoup moins catégorique que le titre. Des montants énormes d'argent sont en train de quitter la France, alerte un gestionnaire de patrimoine. C'est ahurissant, les assureurs luxembourgeois avec lesquels je travaille croulent sous les dossiers. Depuis 90, il y a Tom qui rigole 90%. Ah, c'est pas une blague? Non, c'est pas une blague, ça. Pour le coup, c'est une info, ça. Non, dans le programme présidentiel 2022 LFI, il y a 14 tranches d'imposition au lieu de 4-5, je ne sais plus, dont une à 90%. Ouais. C'est-à-dire, au-delà d'un certain montant, tout ce qui est au-dessus d'un certain montant, c'est 90%. Puis en dessous, c'est 80%.
C'est par tranche, quoi. Oui, ça t'inquiète, Olivier, les tranches, je les explique à chaque fois. Hein. C'est les tranches marginales. Oui, c'est ce que je viens de dire. À partir d'un certain montant, 90%. De la tranche marginale. Bon, ça, on l'explique en long et en large à chaque fois. Hein. Alors, vous connaissez vos impôts. On ne va pas vous expliquer le système par tranche à chaque fois. Hein. Voilà. Puis en dessous, il y a 80%, 70%. 70%. Non, c'est réel, ça existe. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je vais devoir vous quitter, par exemple. Hein. Voilà. Voilà. Je crois que c'est à partir de 400 000 euros. Donc, on va rappeler pour ceux qui vraiment sont des nullos en fiscalité. En France, il y a un impôt progressif sur le revenu, hein, ce qu'on appelle l'impôt progressif. Et ça fonctionne par tranche. C'est-à-dire, par exemple, bon, je prends l'exemple des 90%. Au-delà de 400 000 euros, par exemple, si c'est 400 000 euros, tout euro gagné au-delà de 400 000 va être taxé à 90%. En dessous des 400 000, ce n'est pas 90%, c'est moins. Par exemple, entre 300 000 et 400 000, bah, il n'y aura que 80%. Enfin, quand même, hein. Entre 300 000 et 200 000, je dis n'importe quoi, 70%. Hein. Entre 200 000 et 100 000, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle le taux d'imposition marginal. Voilà. Voilà. Donc là, il y a 5 tranches actuellement. La plus haute est à 45%. Voilà. Voilà. Et c'est les tranches marginales. Et en fait, le taux d'imposition marginal le plus haut ne s'applique qu'à ce qui dépasse le truc. Quoi. Voilà. Voilà. Mais il y a vraiment dans ce projet... Donc aujourd'hui, on est à 45% max pour au-delà d'une certaine somme. Bon, dans le projet LFI 2022, il y a du 90% au-delà de 400 000 euros, je crois. Voilà. Bon, ouais, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Maintenant, tu vas faire peur aux riches du chat. Bah non, parce que ici, les gens sont informés. Les gens connaissent déjà le programme LFI et Front Populaire des législatives. Ils sont informés, ils ont bossé, ils savent. Hein. Merci Ticlem pour l'abonnement offert à Bernard Arnault et je valide la blague. Merci Bebels, merci Casserock, merci Mélissa pour les bits. Alors, des montagnes, d'énormes d'argent sont en train de quitter la France, alerte un gestionnaire de patrimoine, c'est ahurissant, les assureurs luxembourgeois avec lesquels je travaille croulent sous les dossiers. Depuis la victoire du NFP, nombre de Français plus ou moins fortunés envisagent sérieusement de s'exiler. La décision est certes difficile et sa mise en œuvre ne se fait pas du jour au lendemain, mais avant même de passer à l'acte, certains ont d'ores et déjà, par réflexe, mis une partie de leur avoir financier à l'abri hors de France. Ça, c'est deux choses différentes. On peut quitter la France ou on peut décider de mettre une partie de son épargne à l'étranger, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Des mesures font grimper au plafond certains de nos clients, prévient Rony Michali, qui est PDG d'une société financière, société de gestion, le spectre du retour de l'ISF, mais pas seulement. Dans son arsenal fiscal, la NFP a prévu de dégainer un barème à 14 tranches ponctionnant les plus hauts revenus jusqu'à 90%, ce qui est vrai, et de renforcer l'impôt sur les successions, par ailleurs. À partir de 12 millions, je prends tout, avait prévenu Mélenchon. 12 millions de successions. Le dispositif jugé confiscatoire a pourtant fait son retour dans le programme de NFP. Mes clients, dont dit le directeur de la boîte, là, dont le patrimoine est au-dessus de 12 millions, refusent de se laisser tondre. S'exclame Éric Gérard. Alors que la France reste l'un des pays les plus imposés d'Europe, ce qui est factuellement vrai, avec un taux de prélèvement obligatoire de 43%, l'exil fiscal reste une tentation forte, dit le Figaro. L'histoire montre que l'accession de la gauche au pouvoir réactive à chaque fois ce réflexe, de l'élection du cartel des gauches 1925, provoquant la réaction du mur de l'argent, avait dit Édouard Herriot, à 1936, élection du Front Populaire, 1981, Mitterrand, l'union de la gauche, des Français fortunés placent leur argent à l'étranger craignant de voir François Mitterrand tout nationaliser et confisquer leurs biens. Il y a eu ça en 1981. Sous le mandat de François Hollande, élu en 2012, certains riches contribuables fuyaient également le territoire pour éviter le tour de vis fiscale, taxe à 75% sur les hauts revenus, alourdissement de l'ISF, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Depuis son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron, président lui, très libéral, très pro-business, avait réussi à inverser la tendance, écrit le Figaro, grâce à des mesures perçues comme autant de signaux positifs, tels le remplacement de l'ISF par l'IFI et l'instauration de la flat tax. Mais sa dissolution de l'Assemblée nationale menace de provoquer un gigantesque retour en arrière, s'inquiète le Figaro. Le nouveau Front Populaire est certes loin d'être en mesure de mettre toutes ses menaces à exécution, puisqu'il n'a pas de majorité relative forte ou absolue à l'Assemblée, vous le savez, mais le mal est fait, c'est un raz-de-marée, explique un avocat fiscaliste. Donc vous avez beaucoup de Français très riches qui s'inquiètent, qui se renseignent pour éventuellement partir, affirme ses cabinets. Vous allez voir qu'en fait, il faut relativiser tout ça. L'article est assez complet. Depuis le 10 juin, au lendemain de la dissolution, le cabinet d'avocats Auguste Debouzy reçoit de 25 à 30% d'appels supplémentaires pour ce motif.
Certains nous ont demandé que tout soit prêt pour un éventuel départ. C'est parfois l'affolement. Ils veulent tout vendre, changer leur situation familiale. On sent beaucoup de colère. Le profil de ces Français en partance. Qui sont ces Français dont on parle ? Qui seraient nombreux ? On n'a pas les chiffres. Hein. Le mec, il dit 25 à 30% d'appels en plus, mais on ne sait pas combien il a d'appels. Le nombre d'appels dans un cabinet fiscaliste pour les riches, la standardiste, elle doit recevoir 3 appels le matin, 3 appels l'après-midi. On parle quand même d'une petite population. Donc 30% d'appels supplémentaires, on est passé à 4 appels le matin, 4 appels l'après-midi. Quoi. Là, on va se calmer. Vous allez voir les profils. Je dis ça en déconnant, mais regardez les profils. Le profil de ces Français qui appellent là, des entrepreneurs, des professions libérales, des salariés, des CSP, CSP+, ils ont entre 30 et 70 ans, okay, avec un patrimoine. Là, et c'est le moment le plus drôle de l'article. Avec un patrimoine entre 5 millions et 200, 300, 400 millions d'euros. La fourchette. Entre 5 et 400 millions d'euros. Hein, voilà. Et donc, alors là, on a vraiment 25 à 30% d'appels en plus, hein, tous les jours. Ouais, vous avez eu un appel en plus, quoi. Oui. Oui, mais ça fait 30%. Oui, enfin, c'est quand même pas. Ça représente pas quand même beaucoup de gens, quand même. Hein. J'adore ce passage. J'ai beaucoup ri ce matin. Si les projets de déménagement des ménages peuvent mettre quelques mois à se concrétiser, les transferts d'argent sont plus rapides à opérer. Donc, il y a les gens qui veulent partir, et il y a ceux qui prennent une partie de leurs avoirs financiers et qui les mettent à l'étranger. Hein. Pourquoi ? Nous constatons beaucoup d'intérêt pour le contrat d'assurance vie luxembourgeois, et ça a un impact positif sur notre collecte, dit un assureur qui est basé au Luxembourg. Pourquoi ? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est plus facile à faire, par contre. Des entrepreneurs des cadres supérieurs déjà lourdement imposés, qui s'inquiètent de devoir payer 90% d'impôts à partir de 400 000 euros, mais aussi des cadres moyens avec un peu de patrimoine, qui craignent un retour de l'ISF, des retraités qui rachètent leur contrat français, donc assurance vie, et le mettre sur un contrat à l'étranger. Pourquoi ? Tous se méfient de la loi Sapin 2, qui est une loi qui a été votée il y a un petit moment déjà, qui autoriserait le gouvernement à bloquer leur argent. Par exemple, si un crack obligataire provoqué par l'envol de la dette aboutissait à des retraits paniques des épargnants sur les fonds en euros, eh bien cette loi Sapin, qui a été votée en 2016, hein, qui est une vieille loi, fait figure d'épouvantail. Elle permet, en cas de sortie massive sur les contrats d'assurance vie, de bloquer de façon exceptionnelle les retraits ou les versements durant 3 à 6 mois maximum, voilà, pour éviter une crise systémique. La loi ne permet pas de siphonner ce qu'il y a sur les contrats d'assurance vie, mais en fait bloque l'argent, voilà, pendant quelques mois. Voilà. Mais ça inquiète les gens qui ont des gros contrats d'assurance vie. L'inquiétude provoquée par la dissolution est une aubaine pour les banques situées à l'étranger. Les banques luxembourgeoises sont passées à l'offensive la semaine précédant les élections. Elles ont mis en place des offres commerciales, blablabla, blablabla. Je vais à la fin de l'article. Si l'urgence est de sécuriser les transferts à l'étranger de leurs avoirs financiers, le cœur du projet des citoyens effrayés par le programme d'une NFP est bel et bien de quitter physiquement la France. Les chefs d'entreprise sont particulièrement concernés. Cela fait des mois que la situation politique inquiète les milieux d'affaires. Plusieurs dirigeants de banques privées confient avoir été sollicités par des patrons d'entreprises de taille intermédiaire, et ce, bien avant la dissolution. Sauf que, vous allez voir que tout ça fait beaucoup relativiser tout ce qu'on vient d'entendre, merci Scrat83 pour le prime, partir un jour sans retour, partir est toujours un arrachement. Rebâtir un projet de vie peut être difficile quand on a tout construit en France, qu'on y a des amis, de la famille. C'est ce pic Olivier Jeanneret qui travaille dans un cabinet qui fabrique ça. Hein. Il déconseille d'ailleurs à ses clients, hein, de partir uniquement pour des raisons fiscales. Car pour ne plus payer d'impôts en France, il faut pouvoir prouver au fisc que son centre d'intérêt est désormais à l'étranger. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à penser, à faire qu'à penser. De fait, un exil fiscal, c'est un vrai processus, explique un banquier. Il faut couper toutes ses positions en France, parfois vendre des biens, hein, et ça ne se fait pas en 3 semaines. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très, très radical. Pourquoi il y a une adresse épinglée, Radoudou ? Ah ben ça, c'est rien, c'est l'adresse du pique-nique ce soir. Je vous invite tous à un barbecue, en fait. Voilà, je le retire quand même. Je vais avoir des soucis avec... des soucis. Mais voilà, c'était l'adresse du pique-nique pour ce soir. Voilà. Vous dites que vous venez à la fête de Manu. De fait, un exil fiscal, c'est un vrai processus. Rappelle un banquier, il faut couper toutes ses positions, blablabla. Malheureusement, pour l'économie et l'image de la France, écrit le Figaro, si les départs sont difficiles, ils ne sont pas impossibles. Voilà.
Donc voilà, vous avez compris l'idée. Oui, le programme économique fiscal de la gauche, si jamais elle arrivait au pouvoir, fait peur aux gens, enfin à certains des gens qui ont du bien, voilà, et qui, pour certains, réfléchissent même radicalement à quitter le pays. On sait historiquement que ça représente pas beaucoup de monde. Que ça existe, que c'est réel, mais que ça concerne assez peu de gens, voilà, qui prennent des décisions aussi radicales. Merci beaucoup, Sico44, pour le prime qui va me permettre moi aussi de devenir milliardaire et me barrer dans un pays étranger. Merci beaucoup. Merci, Nyandra, aussi, pour le 17e mois. Voilà. Je vais appeler. Tiens, je vais être le 4e appel de ce cabinet fiscaliste. Je vais les appeler tout de suite. Voilà, les amis, on a presque terminé. Juste, je ne vais pas vous lire les articles sur le sport. Si ça vous intéresse, je pense que vous trouverez les infos vous-même. Je voulais juste vous dire bravo. Comment on dit bravo en espagnol? Comment on dit bravo en espagnol? Comment c'est bravo. Hein? Comment on dit bravo en espagnol? Bravo. Felicidad. 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 Bravo. Bravo muchas. Felicidad. Bon, bah, felicidad. Aux Espagnols, puisqu'on a les Espagnols qui ont gagné l'euro hier 2-1. Muy bien, si, muy bien. Voilà. Et Alcaraz, Carlos Alcaraz, qui a conservé son titre de Wimbledon, qu'il a enchaîné avec Roland Garros, donc le sport espagnol au top. Les nouveaux rois d'Espagne, c'est la une de l'équipe ce matin. Mais c'est quoi la blague de Megusta Shakira? À chaque fois que je parle d'Espagne ou d'espagnol, à chaque fois j'ai 4-5 Megusta Shakira. Qui dit, c'est Amine, mais dans quel contexte? Megusta Shakira. Je cherche. Je cherche si j'ai la vidéo. Silvestre, qu'est-ce? Je crois que je l'ai. Donc c'est Amine. La estrella de nuestro equipo. Je l'ai sur TikTok. Silvestre, que es la estrella de nuestro equipo, y escuchamos al Jambuán cuando salen los nuestros al campo. Me gusta Shakira. ¡Viva la corrida! ¿Qué España, es esto? La Roja, una canción que dice España, la Roja. No. ¿C'est quoi la blague du coup? Racontez-moi le contexte, je l'ai pas. Je n'ai pas. C'est quoi l'espagnol? C'est un journaliste? C'est qui? C'est au lieu de l'hymne national espagnol, ils ont mis ça? C'est pour les Even All Star, ok? Ok. C'est un streamer espagnol, d'accord, ok. C'est une blague en fait, ils ont fait une blague. C'est Ibai. Ok. C'est pour entrer des Espagnols, ils ont fait un son parodique. Ok. Ah, d'accord. La Rora. Bon, on va aller sur YouTube. C'est avec. C'est qui est, c'est pas avec Mister V ici. Attends. La Rora. Amine. Ah oui, c'est avec Mister V. 1,3 million. Menu Max. Ok. Vous pensez qu'on va devenir. Je crois que je l'ai. Il n'y a pas de clip par contre, j'ai juste une chanson. J'ai pas la ref. Cinco, seis, me gusta Shakira. La Jonquera, mi casa, tu casa de Paris. Mais elle est colombienne, Shakira.
elle est pas colombienne ? Ouais. C'est tout. Ça avait un petit goût de Amazon Prime. Ça avait un petit goût de reviens-y quoi. Ok, c'était cool. Ok, marié à Gérard Piqué, anciennement Shakira, associé d'Ibai, ils étaient en plein divorce, c'est du maxi troll. Ok, d'accord. Et Ibiza aussi. Ah, c'était bien, drôle, drôle. En résumé, c'est comme si les Espagnols me disent Louad avait une chanson Miam Miam, la baguette, vin rouge, la fête, bonjour le fromage et Béret le. D'accord, ok. Les Espagnols ont très mal pris. Oh, ils sont un peu ténébreux les Espagnols. Mister V, le GOAT. Ouais. Mister V qui est venu dans Ça me plaît sur ma chaîne Twitch cette année. Pour avoir le replay, on a bien rigolé. Vous tapez point exclamation prout, P-R-O-U-T, dans le chat. C'est pas une blague. Vous tapez point exclamation prout et vous avez le replay du Ça me plaît avec Mister V. Notamment parce qu'on a fait un concours de prout à un moment. Voilà, en live sur Twitch. Voilà, vous l'avez là, c'est affiché. Ah, c'était pas Mister MV, non, c'était Mister V. Hop, ouais. Le Mister V. Pizza de la mama, tout ça. Ouais. Voilà, vous l'avez. Pour l'exclamation prout. Voilà. Il y a un concours de prout à un moment. Voilà, que je perds. Ouais. Et si vous tapez pour l'exclamation reine, R-E-I-N-E, comme la queen, vous avez le sample avec Elidia. Parce qu'Elidia est une reine. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Croque-Mort. Merci, Nyandra. Merci, Siko. Merci, Scrat. Merci encore, Ticlem. Les amis, je vous laisse, je vous abandonne. 2h30 de live, plus les 11 heures de live de la nuit dernière, entre 18h et 5h du matin, voilà, avec Nuit Blanche. C'est fait, on l'a fait. Voilà, on s'est régalé. Voilà. Merci d'avoir été aussi nombreux hier soir. Merci d'avoir été aussi nombreux ce matin. On se retrouve au Barbucks ce soir, j'ai noté, hein, Chipo, Merguez, tout ça. Rendez-vous 19h30 à l'adresse que je vous ai donnée tout à l'heure. Ouais, j'ai battu la sentinelle, je lui ai arraché la gueule. Ça m'a pris 5 heures, je me suis régalé. Ce soir, je sais pas s'il y aura un stream gaming, peut-être. Je sais pas si je suis fou, peut-être. Ouais, peut-être Valo du coup, parce que les streams Elden Ring, c'est à chaque fois je fais du 7h, je fais du 11h. C'est insane quoi. Donc peut-être que je ferai plus court quoi. Voilà. Mais n'oublions pas, on va essayer de faire road to 1 million de followers d'ici la fin décembre, c'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est folie, on est foufou. Voilà. Non, pas de sieste, parce qu'il faut que je m'occupe des enfants cet après-midi. Mon amoureuse tolère que je passe beaucoup de temps sur Twitch à condition d'être un papa présent. Et elle a bien raison. Donc on ne va pas faire de sieste, on va être là, on va bien être présent. Puis en plus, j'ai un rendez-vous à 18h de boulot. J'ai un petit Teams à 18h. Voilà, qu'il faut que je prépare. Ouais, j'ai une vie de fou. Merci beaucoup. On va faire un petit raid. La paella. Ibiza. Mais Gustave Shakira. Moi aussi, je t'aime, Léo. Alors, il y a qui en live ? Que des gens sympas. Tiens, il est où, mon... Ok. Oh, c'est quoi, ce jeu ? Oh, c'est drôle. C'est quoi, ce jeu ? Un jeu que je connais pas. Ok. C'est drôle. Ouais. Pourquoi pas une streameuse ? Pour donner de la force un petit peu aux streameuses. J'hésite. J'ai plein d'amis en live. Il y a Tonton qui est en live. Il y a Dave Duf. Il y a Rive. Il y a Bruce Granet. Il y a Gaspard TV. Et son bateau ici, Japon Corp. Mais je vois Anae qui vient de se lancer sur Valo. Qui est fer et qui dit qu'il doit jouer avec moi. Et qui est sur Planet Coaster. J'ai l'impression que c'est un jeu où on doit construire littéralement des coasters, quoi, des trucs de parc d'attractions. Là. C'est incroyable. On fait ça.
ça va nous changer un peu les idées. Voilà. Anaé. Anaé qui était l'une de mes mates avec Sunday à la Zilan. C'est un jeu de gestion super fun. Ok. Oh bah c'est parti. Voilà. On va voir Anaé. Je charge le raid. Anaé qui m'a-t-elle dit voudrait qu'on joue ensemble à Valo. On va pas être déçu, quoi. Voilà. Et ça a l'air sympa comme tout. Et puis c'est une super streameuse. Prenez soin de vous. Mettez de la lumière, de la douceur, de l'amour dans votre monde, dans le monde. Et on se retrouve peut-être ce soir si je suis vraiment un déglingos. Voilà. C'est parti. À ce soir. Je serai sûrement là. Ciao. Merci, vous êtes juste parfait. À ce soir. Ciao. Garde terrain, texture, j'ai de la pierre, j'ai de l'herbe, de ville, macadam, béton usé, béton. Oh non, c'est pas vrai, le raid de Samuel Etienne. Oh là là, c'est pas vrai. Bonjour messieurs dames, comment ça va? Merci beaucoup Samuel, c'est trop gentil.